Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup à toutes et tous pour votre présence. Pour commencer, je vais faire l'appel. Donc, je suis présent, Olivier Melsens est présent, Ida Gontier est présente, Paul Malret est présent, Louise Fédière présente, Michel Debjet, j'ai le pouvoir, Marie-Claude Bourdon-Benamou, c'est Cyril qui a le pouvoir. Carole Godard, présente. Olivier Lugic, présent. Eugène Dahl, présent. Socrate Gabrielides, présent. Philippe Lenfant, représenté, je crois. Abderrahim Chaboun, présent. Catherine Charouel, présente. Georges-Edouard Bacle, présent. Rania Slim est représentée par Ida. Anthony Herry, présent. Maria da Silva Parota, présente. Ania Rejdal-Ortelli, présente. Offray Cher-Cyril, présent. Pascal Des, présente. Julien Fréjabu, présent. Fabien Nuard, présente. Fabien Lemoine, présent. Place-François Nainville, présent. Jean-Marie Moreau, représenté. OK. Myriam Leblay, présente. Christian Lelièvre, présent. Nadia Benalla, présente. Thierry Huret, arrive. Olivier Simon, présent. Martine Dupluy, présente. Et Ilias Pargaren, présente. Et j'en profite pour saluer l'arrivée parmi nous de Ilias Pargaren, qui, par conséquent, siège désormais au Conseil municipal. Bienvenue. Je vais juste vous dire un petit mot sur ce que vous avez trouvé sur les tables. Vous avez trouvé sur vos tables deux documents en plus du PINS Ruban Rose pour le mois d'octobre rose. Je vous invite d'ailleurs, pour celles et ceux qui seraient disponibles ce week-end, à aller sur la course pour octobre rose qui aura lieu sur l'aérodrome, la course des victoires. Vous avez trouvé deux documents que nous offrons à tous les conseillers municipaux. D'abord, le rapport d'activité des services municipaux. Je vous laisserai trouver le document en format papier et nous aurons l'occasion, si vous le souhaitez, de répondre à toutes les questions. Vous avez trouvé également sur vos tables, pour celles et ceux qui, hop là, ne l'avaient pas déjà vu, le livre de ville que nous sortons, qui sera sorti dans les prochaines semaines pour l'achat pour les Vernoliennes et Vernoliens qui le souhaiteraient. Il me semblait normal de pouvoir vous le partager. Sans plus attendre, je vous propose d'attaquer l'ordre du jour. Et en guise d'ordre du jour, je voulais commencer simplement par deux choses. La première chose, formellement, je ne l'ai pas fait, c'est pas bien, désigner mon premier adjoint comme secrétaire de séance. Et deuxièmement, proposer l'approbation du compte-rendu du conseil municipal du 11 juin dernier à l'Assemblée. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Sans questions ni remarques, je propose que ce soit adopté. Et j'en profite pour enchaîner, juste pour vous préciser que les deux premières délibérations que vous avez sur votre ordre du jour sont retirées. Elles sont retirées puisque ce sont deux délibérations relatives aux briques rouges. Et on nous a demandé de les faire passer dans l'ordre de la hiérarchie des normes, d'abord par la communauté urbaine, ensuite au conseil municipal de la ville, le tout avant Noël. Donc elles seront présentées au prochain conseil municipal. La première délibération donc que nous allons vous proposer est la numéro 3 dans l'ordre, qui devient la numéro 1, à savoir l'entrée dans le dispositif écoquartier et la signature de la charte écoquartier. Je vais me permettre de vous en dire un mot très rapide et puis nous aurons l'occasion d'en échanger. De toute manière, nous en avons déjà échangé en commission. C'est une délibération qui est relative à la zone des Trois Étangs, vous situez désormais à l'arrière de la gare des Clairières sur la zone industrielle. Et l'objectif de cette délibération est de proposer un dispositif d'accompagnement écoquartier et CEREMA sur cet espace, marquant ainsi, et on me l'avait tant demandé, qu'on puisse ainsi lancer les chantiers, les travaux relatifs à la transformation de cette zone. Nous ne pouvions pas vous présenter ces délibérations avant le rachat de la pointe de Verneuse qui a été fait, vous le savez, pour la parcelle désormais communale en début d'été. Et donc nous allons pouvoir commencer à avancer, ça prendra du temps, mais on avance sur ce projet d'écoquartier. Pour rappel, un écoquartier est un projet d'aménagement qui intègre les enjeux et principes de la ville et des territoires durables. C'est un quartier conçu avec et pour ses habitants en partenariat avec les différents acteurs politiques et économiques concernés. Notre objectif est donc de développer cet écoquartier innovant et durable sur un site d'environ 22 hectares qui fait le lien, comme vous le savez, entre d'un côté la ville et par-delà la voie ferrée, l'île de loisirs et les étangs.
L'objectif est d'abord de valoriser l'interface entre la Seine, la forêt et le cœur de ville, avec une optimisation des ressources foncières, une requalification de la friche industrielle qui est en perte de vitesse, et la végétalisation et la préservation des espaces naturels. L'objectif est également de capitaliser sur l'amélioration de la desserte de la ville, puisque vous savez que l'arrivée d'Eole transformera évidemment ces friches industrielles, en tout cas leur valorisation, et puis bien entendu réactiver le secteur en termes d'attractivité, avec, vous l'avez compris, sur la pointe de Verneuil, plutôt deux acteurs économiques à repositionner, et nous aurons l'occasion dans les prochains conseils municipaux d'y revenir. Et pour la friche de cette zone des trois étangs, évidemment, plutôt un travail d'écoquartier, le tout relié à la gare demain par une passerelle. Bien entendu, avec des effets de bord qui se veulent positifs, et par conséquent un projet qui a été présenté notamment au syndicat de l'île de Loisirs, puisqu'il y a une connexion meilleure avec l'île de Loisirs, et donc, parce qu'une nouvelle porte d'entrée, un moyen de la redynamiser. Je ne vais pas forcément faire beaucoup plus long, simplement, cette délibération ne vise pas simplement à lancer le projet, bien sûr, elle lance le projet, mais c'est un projet de long terme qui va devoir commencer, comme vous l'avez compris, d'abord par plusieurs longs mois, pour ne pas dire années, de concertation et de co-construction pour de vrai, avec vous, l'ensemble du conseil municipal, avec les citoyens et les associations, avec l'ensemble des acteurs du territoire. Et c'est dans ce cadre-là qu'il est intéressant de s'inscrire dans cette démarche, puisque nous avons ainsi la possibilité de bénéficier de plans de financement, notamment du CEREMA. Et par conséquent, c'est pour nous une bonne nouvelle. C'est d'abord donner de la visibilité et de la vision sur ce terrain, sur cette zone. Deuxièmement, pouvoir assurer la concertation et la co-construction, ce qui permettra à chacun de pouvoir constater que ce n'est pas un projet qui est posé verticalement. Et puis surtout, enfin, des financements qui nous permettront d'assurer le suivi sur la durée de cette concertation et de la démarche. Je ne fais pas forcément plus long, je propose simplement de répondre à toutes les questions s'il y en avait. Moi, j'ai des questions. Vous mettez un extrait du plan cadastral avec les différentes zones, notamment la zone d'activité économique, UEE. Est-ce que cette zone fait aussi partie du périmètre du projet, primo? Et la question sous-jacente, c'est quel est l'intérêt. Vous regardez bizarre. Non, j'ai pas compris si vous pouviez préciser la partie cadastrale, c'est-à-dire. Vous mettez sur le PLU, enfin vous mettez un extrait du PLUI avec trois zones, une NE, une NV Non, c'est juste le PLUI, c'est simplement la zone NEI, c'est l'aérodrome, la zone NV, c'est la zone naturelle sur laquelle on ne peut pas de toute manière envisager de projet. Donc en fait, pour simplifier, la zone des trois étangs, enfin ce qu'on appelle la zone des trois étangs, c'est celle, j'ai envie de dire là où c'est marqué UEE, mais c'est même pas tout à fait ça, C'est parce bien que vous ça. voyez que le découpage du PLUI n'est pas parfait. Il faut savoir que de toute manière, le PLUI sera révisé en 2028 et que la zone sera concernée. Donc là, on vous a mis le PLUI juste pour que vous visualisiez, mais c'est pas du tout le document qui. D'accord, donc ça c'était ma première question, mais la question sous-jacente, c'est quel est l'intérêt d'octroyer un permis de construire à une société, en l'occurrence la Francilienne des Travaux Publics, de s'afficher, de faire de la communication autour de l'attractivité économique, si derrière c'est pour lancer un projet d'écoquartier, alors certes qui verra le jour dans 10, 15 ans, ou je ne sais pas quand d'ailleurs, et quelle est la position finalement d'une société qui vient de s'implanter, qui était sur un projet d'implantation depuis un certain nombre d'années. Mais moi, c'est par rapport à la cohérence, Ben finalement. justement, ça tombe bien que les deux questions que vous posez font le lien, parce qu'en J'ai pas fini fait, de poser mes questions au demeurant, comme d'habitude, mais je vous laisse répondre. ouais, mais parce qu'en fait, Enzis, si vous avez déjà eu l'occasion d'aller visiter, Francilienne des travaux publics. non, Enzis, je suis désolé, la Francilienne n'existe plus, mais ça, je vous laisserai échanger avec le directeur, hein, le PDG. Mais si vous regardez justement le PLUI, NV et UEE sont des zonages différents. Sur la zone NV, il n'est pas possible de construire du logement, mais il est possible par contre de construire de l'entreprise. Et c'est là où est situé Enzis. Nous, la zone de l'écoquartier n'est pas située sur le même périmètre, il est situé sur le périmètre UEE, là que vous avez devant vous. Et par contre, j'en profite pour vous glisser, que Enzis, si vous allez prochainement visiter le site, puisque vous pouvez aller le voir,
eh bien, entre les deux zones, il y a un grand parking qui est en train d'être structuré, un grand parking qui, dans les prochains mois, devrait être ouvert au public et qui sera équipé de bornes électriques qui seront mises à disposition gracieusement pour les habitants de la ville par Enzis en partenariat avec la commune et qui fera justement cette transition entre, d'un côté, l'attractivité que nous avons souhaité rechercher sur la zone NV, la zone de stationnement qui est bien nécessaire de toute manière à l'arrière d'un pôle éole, et puis le futur écoquartier qui, de toute manière, sera bien entendu équipé également de schémas de circulation. Mais c'est des choses qui sont totalement différentes et ce n'est pas les mêmes terrains. Ok. Une fois de plus, bon, ça fait quelques années qu'on est élu. Moi, je me pose juste la question sur la cohérence entre le béton et l'écoquartier. L'écoquartier, ce n'est pas du béton. Donc, d'un côté, on fait campagne, et j'en ai fait partie aussi, hein, vous le savez, par le stop au béton, et puis finalement, on se rattrape, on dit alors stop au béton, mais en centre-ville, mais derrière, éventuellement. Donc, c'est juste une question de cohérence que j'arrive pas vraiment à saisir. En toute honnêteté, un écoquartier, je trouve ça plutôt sympathique, a fortiori s'il y a du mixte, à savoir de l'entreprise, éventuellement du tertiaire, de l'habitation, du logement social, bien entendu, pour respecter la règle. Mais c'est par rapport à la cohérence de ce qui se lance aujourd'hui, par rapport à une campagne qui était claire. Notamment, il y avait des flyers stop au béton, c'était clair et net. Ah bah, je vous confirme, c'est toujours le cas. Peut-être qu'effectivement, ce sera que de l'ossature bois, il n'y aura pas de béton. C'est ce que j'allais dire pour la plaisanterie, mais vous m'avez damé le pion. Mais au-delà de la plaisanterie, notre vision n'est pas de limiter le nombre de logements. Vous savez, les habitants et le secteur est en pénurie de logements, la France est en pénurie de logements. Je ne suis pas contre le logement, je l'ai toujours dit. Par contre, je suis contre le logement déraisonné et surtout qui n'est pas accompagné d'équipement. L'objectif n'est pas de faire une ville à côté de la ville, l'objectif n'est pas de faire un quartier qui serait hors sol, l'objectif n'est pas d'aller sur les zones naturelles, ce qui était le cas de la marina, mais l'objectif n'est pas non plus de freiner le développement et l'essor d'un territoire qui en a besoin. C'est pourquoi, plutôt que de laisser une zone qui est complètement en friche et vraiment qui ne fait pas bonne figure et qui n'est pas forcément même vécue par les habitants, on a cette opportunité d'aller la repenser. Mais aujourd'hui, soyons honnêtes, je ne sais pas vous dire ce qu'il y aura sur un écoquartier, puisqu'un écoquartier, il peut y avoir énormément de modalités, et c'est la concertation qui décidera si on y met du logement, si on y met des équipements, si on y met des activités. On a au moins un, pour ne pas dire deux ans de concertation et de co-construction à mener avant de pouvoir porter le projet. Et malheureusement, nous ne pouvions pas lancer ces concertations tant que nous n'avions pas épongé le passé sur la pointe de Verneuil. Donc justement, ça tombe bien, si vous avez des questions et si vous n'aimez pas le béton comme moi, eh bien, ça sera l'occasion de le faire savoir lors de la concertation et de pouvoir dessiner ensemble justement l'avenir de cette friche industrielle. Encore faudra-t-il être concerté, comme d'habitude. Mais je constate une fois de plus, c'est ce que me disait, et c'est ce que répète souvent M. Malré par rapport au budget, on est sur des géométries variables en fonction des aléas conjoncturels, donc je comprends parfaitement. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques ? En préambule, j'aurais aimé rencontrer le président d'Ancis, effectivement, puisque vous étiez engagé devant cette assemblée à nous convier à l'inauguration de leurs locaux. Je vous confirme, mais malheureusement, ce n'est pas nous qui avons envoyé les invitations, mais l'entreprise. Oui, effectivement, c'est facile de botter en touche. Bon. Je ne suis pas chez moi, chez eux. Oui, bien sûr. Mais ils sont chez eux, chez moi. Bien sûr. Mon mot, c'est sceptique. Vous parlez concertation, on y reviendra. La concertation, ce n'est pas votre fort. Donc, je pense qu'on ne sera pas associé à ce projet, comme d'ailleurs on découvre ce soir, donc ça a été évoqué en commission, mais on découvre quand même ce soir les grands axes de ce projet que vous avez porté pendant les élections municipales. Je suis un peu comme mon collègue, je suis très étonné, mais c'est bien, vous évoluez dans vos idées, que vous découvriez qu'il y a besoin de logement, et de logement en Ile-de-France. On ne découvre rien, on le savait. Ah oui, d'accord, très bien, mais vous changez d'avis en tout cas, je trouve. Bon. Après, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question de ce qu'on veut faire de ces terrains. Donc, il y aura une concertation, très bien. Vous n'avez pas de visibilité sur aujourd'hui ce que vous voulez y développer, ok. Il ne faut pas exagérer. Je suis un peu étonné. Ah, quand même. Parce que vous avez présenté quelque chose à l'île de loisirs, c'est ce que vous disiez. Bah, de la délibération. La délibération seulement, d'accord. Sceptique. Très franchement, je suis assez sceptique, mais bon, on verra. Après, j'ai vu que vous comptiez effectivement faciliter l'accès à l'île de loisirs à travers ce projet, donc ce qui était déjà prévu, c'est-à-dire créer une passerelle. Après, il faudra la financer. Par ce qu'on appelle un PUP. Si vous avez les financements, si le projet va au bout. Mais non. Non, non. Vous savez ce qu'est un PUP. L'objectif, c'est lorsqu'il y a un chantier, au bout d'un moment, il y aura un aménageur sélectionné. Oui, je sais ce qu'il y a. L'aménageur choisira, s'il le souhaite, les différents constructeurs.
et ce sont les constructeurs qui financent ce qui est public. Donc, pour le coup, il n'y aura pas de question de subvention ou de recherche d'argent. Moi, je note que vous avez construit du logement à cet endroit-là, et je suis curieux d'en connaître le détail. Moi aussi. Et on verra ce que donnera la concertation pour et pouvoir justement surtout les comment ça va aussi s'articuler dans les projets de territoire. On aura l'occasion d'en reparler lors de la concertation. Pour rappel, la concertation, de toute façon, sera publique et vous avez toutes les modalités dans la charte des écoquartiers qui a été adjointe à la délibération. Mais je passe la parole à M. Dainville. J'ai la même interrogation. En fait, cette proposition écoquartier, évidemment, est intéressante. Ça lève quand même beaucoup de questions. Et à vous entendre, à ce stade, vous n'avez pas beaucoup de réponses, puisque vous dites que vous aussi, vous êtes aussi intéressé d'en connaître les détails. Et pour autant, la question de M. Bacle qui était posée au début, elle est intéressante aussi, parce que finalement, l'usine de retraitement de déchets et de gravats, qui est aussi, d'après ce que vous dites, des bureaux, mais moi je vois surtout... un tas de gravats, avec un projet de désamiantage qui était là au début. Excusez-moi, je crois que vous vous trompez de terrain. Moi, je ne me trompe pas de terrain. Bah, je vous confirme, vous vous trompez de terrain. Et en fait, comme d'habitude, vous me coupez, donc laissez-moi parler jusqu'au bout et puis vous y répondrez. Vous aurez tout loisir de le faire. En tout cas, moi, je vois un tas de gravats à cet endroit-là et que ça a beau être deux zones différentes sur le papier, c'est quand même le même air, quoi. Donc... je veux dire, il y a quand même une question de cohérence entre, d'un côté, ce tas de gravats et cette entreprise qui est là pour l'exploiter, hein, en numéro un, et deux, cet écoquartier. Ça, c'est une première question qu'on pose. Et si je la pose là, d'autres citoyens vous la poseront au moment de la concertation. Et j'espère que vous accueillerez cette question avec bienveillance. La deuxième chose, c'est que il y a effectivement des entreprises sur la zone et qu'il y a des propriétaires sur la zone. Et la question que ça pose, c'est... comment on finance, effectivement, la récupération de ces terrains. Et là-dessus, ça pose une question de budget importante. Et là, à ce stade, on n'a aucune réponse. C'est-à-dire que la délibération qui est ici soumise au vote, elle propose un écoquartier et une idée d'écoquartier. C'est bien, mais comment on fait? Or, pour discuter d'une délibération, nous, ce qu'on a envie de savoir et ce qu'on a envie de travailler, c'est comment on fait. Et là, beaucoup de choses restent ouvertes. Et c'est peut-être mon dernier point, c'est que vous êtes en responsabilité depuis 4 ans. C'est étonnant que vous n'ayez pas fait des études déjà auparavant, et on sait que vous en avez fait. Elles n'ont jamais été présentées, et on relance une nouvelle étude. Puisque le CEREMA vient pour justement travailler sur la structuration. Donc il y a l'idée de l'écoquartier, il y a aussi l'idée de la faisabilité de l'écoquartier. Et donc la question qui apparaît derrière, c'est effectivement une nouvelle étude. Alors là, ce ne sera pas les Verneuillens qui la paieront. Déjà, celle qui a été payée par les Verneuillens, est-ce que vous pourriez nous la présenter? Que chacun puisse aussi... De quelle étude vous parlez? Parce que moi, je ne suis pas au courant non plus. Vous avez mis un périmètre d'étude sur cette zone-là. Donc, pour pouvoir lancer ce projet, oui. Oui, mais j'imagine que si vous avez lancé un périmètre d'étude, il y a bien des études qui ont été faites auparavant. Non, l'étude, c'est celle-là. Donc, pour l'instant, depuis 4 ans, l'étude, c'est celle-là. Vous n'avez rien fait. Excusez-moi, je vais répondre dans l'ordre. Pour ce qui est de Enzis versus la zone des Trois Étangs, vraiment, je vous invite à aller sur site, vous allez constater deux choses. Et je vous invite vraiment à le regarder vraiment bien. Vous allez voir une parcelle qui a été entièrement remise, qui est complètement nettoyée, et où vous avez une entreprise Enzis. Puis vous avez une deuxième parcelle à côté, celle que vous évoquez, qui, moi, cette parcelle, elle me pose question d'ailleurs, hein, je ne l'ai jamais dit. C'est une parcelle où justement on a des monticules d'une véritable décharge de béton, probablement d'autres substances, une parcelle qui était communale et qui a été vendue quelques mois avant le dernier mandat à quelqu'un qui a eu tout loisir de faire une déchetterie, quelqu'un qui est très connu dans le secteur pour faire des déchetteries. Donc il y avait une intention de la municipalité de faire de ce terrain une déchetterie. Pour ma part, en tout cas, vous l'avez compris, je suis plutôt du côté de ceux qui nettoient. Pour ce qui est de la zone entre Enzis et la zone des Trois Étangs, si vous allez voir, vous allez constater qu'il y a un grand rond-point et puis il y a deux zonages. Il y a un côté avec un parking qui est en train d'être créé, il est en train d'être fini, il manque les raccordements Enzis pour avoir les bornes électriques et ça sera ouvert à la ville. Et il y a pas mal de surface entre cette entreprise et de l'autre côté, le futur écoquartier. Il y a des questions qui se posent et vous avez raison, notamment celle des circulations. Et sur ça, je vous rejoins. Et d'ailleurs, nous sommes en train de travailler avec le département et Enzis afin d'avoir les sorties camions directement sur la départementale à terme. Les schémas directeurs, de toute manière, seront redessinés.
Mais une chose est sûre, c'est que, je l'ai toujours dit, l'idée est d'avoir de l'entreprise sur le territoire, et c'est un terrain sur lequel nous ne pouvions pas faire autre chose que de l'entreprise, comme vous avez le PLUI devant qui l'indique, et par conséquent, c'était naturel. Et vu les superficies dont nous parlons, ce n'est pas comme si on allait avoir, entre guillemets, une entreprise qui était aux portes d'un écoquartier. Déjà, il y a pas mal de terrains. Mais au-delà, je vous invite encore une fois à aller voir, ce sont des bureaux et des cols blancs. D'ailleurs, pour la petite histoire, le siège est déjà quasiment trop petit par rapport à ce qu'il faudrait, tellement les activités ont explosé du côté d'ANSI ces dernières années, et je m'en réjouis. Mais bref, tout ça pour dire qu'il n'y a aucune incompatibilité. Par contre, si je puis me permettre, il y a une incompatibilité aujourd'hui que personne ne semble s'en préoccuper, mais entre les activités qui existent, et notamment de l'asphalte, Val de Seine enrobé, pour ne pas les citer, du ciment aussi, pour ne pas les citer, qui sont par contre juste à côté, à quelques centaines de mètres, d'habitations qui existent bel et bien aujourd'hui du côté des clairières. Et ça, pour moi, c'est une préoccupation, notamment pour la santé des habitants, de pouvoir à terme réinventer cette zone, justement, pour mieux faire cette connexion et cette synergie. Deuxièmement, j'apprécie beaucoup la deuxième question que vous avez posée pour le coup, parce que sur l'enjeu du financement, elle me permet d'éclaircir un sujet. La délibération que vous avez là, ça ne veut pas dire que c'est la ville qui prend nécessairement la main. Mais pour pouvoir dessiner et garder la main sur le schéma directeur, nous souhaitons rentrer dans cette démarche d'écoquartier. Peut-être que demain, les terrains ne seront pas rachetés par la ville, mais par des privés. Mais ils, d'une certaine manière, suivront le schéma directeur qui sera proposé. Il y a plusieurs possibilités possibles. Si vous allez visiter des écoquartiers un peu partout en France, vous verrez que parfois ce sont les communes, les communautés d'agglomération, ou parfois même les régions qui prennent la main sur les écoquartiers. Ça peut même être parfois l'État. Mais dans notre objectif, nous n'en sommes pas là. L'objectif, c'est de dessiner un écoquartier, de le dessiner avec la population, dans une logique qui sera de façon transparente et cadrée, pas par nous. Donc vous ne pourrez pas dire qu'on ne concerte pas, puisque ce n'est pas nous qui concerterons. Et pour le coup, ça permettra de pouvoir dessiner les financements possibles et les meilleurs schémas. Si les habitants considèrent qu'il faut que ce soit la ville qui porte, pourquoi pas, ça sera un choix, ce n'est pas forcément le mien aujourd'hui. Mais en tout cas, l'objectif, c'est de pouvoir laisser la main ensuite à différents acteurs, mais dans un cadre qui aura été posé par la ville. Je m'arrête là, je ne reviens pas sur le sujet numéro 3 qui était la concertation, je crois avoir déjà répondu. De toute manière, si je vous avais proposé quelque chose de tout fait, vous m'auriez dit que je ne concerte pas. Là, je ne suis pas sur un moment de concertation. Celui-ci va être lancé désormais. Il n'y a pas eu d'études préalables. Les études, pour pouvoir les lancer, nous devions d'abord racheter notre terrain sur la zone de la pointe de Verneuil et ensuite seulement pouvoir le faire. Et là, en fait, les études, on pourra vous les livrer en temps réel, puisque de toute façon, ce n'est pas nous qui les porterons, lors de la concertation avec le CEREMA et les différentes agences de l'État qui seront également sollicitées nécessairement pour le financement. Moi, j'ai une question par rapport à l'efficience d'aller... charger sa voiture sur le parking là-bas. En fait, c'est les bornes des salariés qui sont mises à disposition des Vernoliens. Et qu'est-ce que vous proposez pendant que la voiture charge, en fait, de l'autre côté? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a un bar ou quelque chose comme ça pour boire quelque chose en attendant? Ça peut durer un petit moment. Je note l'idée d'un bar dans l'écoquartier de demain. Non, pour l'instant, on va charger notre voiture de l'autre côté. Moi, je note que vous avez dit qu'on chargeait notre voiture de l'autre côté. En fait, la société a des bornes qu'elle gentiment met à disposition, mais je ne sais pas si c'est intéressant d'aller charger sa voiture là-bas. Peu importe. Dans la presse, bah, c'est pas pour quelque chose pour aujourd'hui, évidemment, c'est pas demain que vous allez aller recharger votre voiture. Bah, je sais pas, vous l'annoncez comme une. Oui, je l'annonce parce que c'est quelque chose qui, dans l'avenir, quand on se projette, permettra de. N6 aujourd'hui, c'est fabuleux, quoi. Vraiment une annonce incroyable. Bah, ça vous permettra déjà d'aller voir sur place et de constater les parcelles. Mais j'ai pas besoin qu'on m'invite et qu'on m'invite à charger ma voiture là-bas pour aller sur place. Je vous remercie, j'y suis déjà allée et à vélo. En fait. Voilà, bref. Mais mon vélo est électrique, effectivement, j'y penserai pas la prochaine fois. Mais c'est une annonce. Bref, vous aviez dit dans la presse que vous aviez eu plusieurs dizaines de propositions d'entreprises sur la zone des deux étangs. Non, d'abord c'est trois étangs et ensuite c'était sur la pointe de Verneuil. Oui, sur la pointe, entre les deux. L'ancienne marina. Tout à fait, voilà. Pointe de Verneuil. Pourquoi déjà vous ne faites pas cette présentation aux Vernoliens et déjà ne pas leur laisser le choix dans les dizaines de propositions avant de vous engager dans un autre projet qui effectivement semble plus grand qu'une installation simple entre deux étangs, mais pour autant, si on concerte, on devrait, puisque c'est votre choix de concerter à la fois sur l'abandon de la marina, sur la RD, pourquoi déjà cette étape préalable oui, vous avez raison. N'est pas faite
n'est pas faite, puisque, semble-t-il, vous aviez vendu le terrain plus que 10 fois. Très simple. Sans jamais nous avoir, nous non plus. Oui, bien sûr. Nous, on a l'habitude, mais les Vernoliens, pourquoi vous ne leur présentez pas les options, déjà qui se présentaient à vous et qui vous font dire non, finalement, à des propositions. Jamais vous n'en avez parlé. Ben, pour une simple et bonne raison, c'est que je ne vais pas présenter des projets qui intègrent pas forcément hein, des entreprises privées, sans avoir vérifié plusieurs choses. D'abord, la viabilité financière, et ça demande du temps, parce que quand on a des groupes qui veulent s'implanter, bah, ce n'est pas du tac au tac qu'on va toper dans la main. Il y en a plusieurs, en effet, plus d'une dizaine qui sont venus nous voir, mais le problème, c'est que bah, les premiers, je peux déjà vous dire, ils ne sont pas viables. Je peux vous répondre en partie, si vous voulez. On avait reçu une présentation, je pourrais même, si je la retrouve, si je remets la main dessus, je vous la passe, ça vous fera vos soirées. On avait reçu la présentation qui était financée par la région et qui visait à créer un camp viking. 200 pages, dessin à l'appui, schéma, dracard. On a eu beaucoup de présentations, on en a eu des absurdes aussi. Mais quand on reçoit des présentations, avant de dire c'est absurde ou ça ne l'est pas, même si on a tous des idées, eh bien, ce qu'on souhaite, évidemment, c'est avoir une étude pour savoir le réalisme. Avant même de pouvoir laisser un conseil municipal ou les habitants faire un choix, il faut d'abord qu'on sache la viabilité des opérations. Or, aujourd'hui, je n'ai pas la possibilité encore, mais on l'aura courant 2025, je ne suis pas vraiment inquiet, la possibilité de vous présenter plusieurs options et dans ce cadre-là, avoir un vrai débat. Mais je ne voudrais pas commencer à faire un débat ou faire une consultation à partir de cas qui ne sont pas finançables, qui ne sont pas financés, qui ne sont pas possibles ou qui mettraient la ville en danger. Donc, Monsieur François Dainville a raison quand il dit qu'il y a des études quand même préalables qui sont faites et qui vous ont permis quand même de pouvoir dire non à certains projets. Bah, c'est ce que vous faites exactement. Alors, excusez-moi, on va revenir au sujet. Vous voyez derrière moi, je vous présente derrière moi la zone des trois étangs. Oui, mais monsieur... La pointe de Verneuil, c'est un autre sujet. La délibération porte sur la zone des trois étangs. Oui. Sur la pointe de Verneuil, il y a des choses qui se passent, mais on aura l'occasion d'y revenir. On n'est pas encore prêt. Mais sur la zone des trois étangs, non, il ne se passe rien. Juste une question. Dans ce qui avait été présenté au bureau municipal, ce qui avait été présenté au bureau municipal il y a quelques années, c'était sur la pointe de Verneuil. Quel sujet? Parce qu'il y a eu plusieurs présentations. Où il fallait une sorte de monument d'intérêt régional. Enfin, il y avait des jeunes qui étaient venus. Ah oui, il y a eu plein de gens qui sont venus présenter sur la pointe de Verneuil. En bureau municipal, il n'y en a pas eu 50. Sur la pointe de Verneuil. Je me souviens d'un bureau municipal où il y avait des gens qui étaient venus. Je demande si c'était sur les. Sur la pointe de Verneuil. Pour moi, c'était un projet un peu plus vaste. Non, c'est la pointe de Verneuil. Et pour le coup, sur la pointe de Verneuil, on en a reçu plein d'autres. La pointe de Verneuil, elle est très attractive parce que les zonages sont déjà bons au côté PLUI. Et par conséquent, une entreprise peut juste s'y implanter demain si elle le souhaite. Mais la réalité, c'est que là, on n'est pas du tout sur le sujet pointe de Verneuil. On est vraiment sur la zone des trois étangs. Et pour recentrer le débat, on n'est pas sur autre chose que sur la zone industrielle qui est au fameux rond-point à la jonction lorsqu'on va à l'île de Loisir. OK. À l'occasion de la présentation de ce bouquin, j'ai cru comprendre qu'il y avait certains représentants d'entreprises du BTP. Est-ce que ce sont déjà des personnes qui font de la présence terrain pour justement essayer de préempter des projets à 10-15 ans? À l'occasion de la sortie du bouquin, on a fait en effet un petit moment avec les personnes qui figurent dans le bouquin. Ouais. Bah, vous n'étiez pas dedans, pas de chance. Et du coup, pour ce qui est des différents promoteurs, je vous dis, il y en a des dizaines qui regardent. De toute manière, tous les promoteurs qui ont envoyé des courriers à tous les habitants de la ville, on les a toujours, depuis le début, fléchés sur la zone des trois étangs en leur disant qu'ils ne construiraient nulle part ailleurs tant que nous serons aux manettes. Et par conséquent, oui, tous les promoteurs, on les a fléchés. Je sais qu'ils sont tous très désireux d'en savoir plus, mais moi, je veux poser un schéma directeur pour ne pas leur laisser la main, parce que sinon, on aura des gratte-ciels. Entre nous, c'est un peu frustrant de ne pas inviter l'opposition et d'inviter des promoteurs. De quoi? Je sais pas. Bon, de toute manière, je crois qu'on dévie largement du sujet. Je vais le mettre aux voix. Donc, pour ce qui est de ce dispositif d'accompagnement éco-quartier Cérema... j'attends pas, en fait. Bah, vous pouvez me couper la parole. Je vous laisse finir. Moi, j'ai quand même une question là. Est-ce qu'effectivement, sur la présentation de ce livre, il y avait des entreprises de BTP? Et première question. Deuxième question, l'opposition. Donc, ça veut dire. Alors, monsieur Dainville, je répète ce que j'étais en train de dire. Non, mais vous voulez aller jusqu'au bout, c'est bien. Mais je vais juste poser ma question. Non. Et vous allez répondre à la question. Mais non. Si vous pouvez. Mais non, parce qu'on ne parle pas de la zone des trois étangs là.
Vous parlez du livre. On peut y revenir après si vous le souhaitez. On parle de l'aménagement de la zone des trois étangs qui conduira peut-être à des constructions sur la zone. Vous avez dit que vous voulez du logement sur la ville. D'accord. Est-ce que vous voulez ou non ? Ça veut dire que la question que je vous pose, c'est est-ce qu'il y avait des entreprises de BTP qui étaient à la présentation de ce livre-là ? Je ne suis pas en charge des listings, mais je peux vous dire que ceux qui étaient invités, c'était ceux qui figurent dans le livre. Est-ce que c'était le conseil municipal qui invitait ? J'en sais rien, moi, de qui est-ce qui invitait. Ce que je peux vous dire, c'est que ceux qui étaient invités. Le conseil municipal peut inviter. Bon, si monsieur, oui, si monsieur, oui, dame, je vous pose la question. Formidable. Est-ce que vous pouvez. Merci. Merci. Je mets aux voix le dispositif d'accompagnement Écoquartier et CEREMA. Qui est-ce qui s'oppose ? Merci. Une voix, deux voix. Qui est-ce qui s'abstient ? Merci. J'en déduis que c'est adopté. Ceux qui s'opposent de relever la main, puisque ce n'était pas clair. Pour le secrétariat. Qui s'abstient ? Levez les mains, voilà. Merci beaucoup. J'en déduis que c'est adopté. L'objectif, c'est de se focaliser d'abord sur les délibérations. Si vous voulez avoir des débats généraux, pas de souci, mais en fin de conseil municipal. Je passe la main à Paul Malret sur la décision modificative relative au sujet financier. Merci. Bien. La décision modificative, je rappelle que en début d'année, on vote un budget prévisionnel qui donc a un caractère prévisionnel. Et en fin d'année, on fait des ajustements au travers d'une décision modificative pour tenir compte de la réalité des dépenses et des recettes. Alors, vous avez dans la délibération une présentation dans la maquette M57 qui, sur le plan réglementaire, est obligatoire à présenter. Je ne vais pas vous la décliner ligne à ligne, d'abord parce qu'elle est assez indigeste, et puis qu'il faut peut-être d'abord une formation préalable. Donc, je vais en retenir simplement les principaux éléments. Alors, les principaux éléments concernant les dépenses d'investissement. En matière d'immobilisation incorporelle, on a un supplément lié à la téléphonie de 8000 euros, une mise en ligne de la newsletter liée à l'application. Bon, donc je laisse ça de côté. Pardon ? En fait, c'est la dernière phase du site Internet qui comprend notamment la newsletter, mais ce n'est pas une newsletter à 7000 euros, heureusement. Oui, tout à fait. Olivier Simon confirmera que ça concerne notamment, mais voilà. Ensuite, sur les opérations d'équipement, toujours d'investissement, il y a la mise en LED du terrain de foot pour 56000 euros, sachant qu'à terme, ça représente une économie d'électricité, un complément concernant l'accessibilité de 50 000 euros, ça c'est un ajustement par rapport à ce qui était prévu dans les dépenses d'accessibilité, et puis on a des ajustements négatifs, c'est-à-dire qu'en fait des optimisations, on avait prévu trop, et ça concerne la toiture de Béjart pour 310 000 euros en moins, les ajustements du travaux du gymnase Coubertin, 60 000 euros en moins, le renforcement de la sécurité transfert. Le renforcement de la sécurité, donc on a transféré sur d'autres opérations, moins 37 000 euros. L'ajustement de la végétalisation du cimetière, moins 10 000 euros. L'ajustement de l'étude sur la maison des opportunités, moins 5 000 euros. Concernant les recettes d'investissement, on a des amendes de police en 2023 qui sont rentrées pour 43 000 euros. Une subvention de l'agence de l'eau pour la cour d'Olto de 78 000 euros. Et puis, on a des produits de cession d'immobilisation, des reprises de véhicules qu'on a cédés pour 50 000 euros. Et enfin, la cession dont on a parlé la dernière fois, du 73 Grande Rue pour 250 000 euros. Ça, c'était donc en investissement. Maintenant, en fonctionnement, je ne vais pas aller trop dans le détail parce qu'il y a plein de poussière. Globalement, l'augmentation des charges à caractère général par rapport au budget prévisionnel, ça représente 107 000 euros. 107 000 euros, c'est 2%. Donc, c'est vraiment une correction de trajectoire, in fine. Et ça concerne, pour le principal, des honoraires, des honoraires notamment liés à des frais de contentieux.
pour 28 800 euros et un complément aussi de l'espace vert pour 15 800 euros, sachant que ça, c'est une dépense mineure par rapport aux montants qui sont en jeu. Je passe sur les autres parce que là, on tombe vraiment dans des chiffres qui sont très faibles. Concernant les dépenses de fonctionnement, on a un accroissement des charges de personnel à hauteur de 40 000 euros, sachant que cet ajustement vient des élections, des deux tours d'élections législatives, c'est en gros 20 000 euros de supplément de salaire pour l'ensemble du personnel. Voilà pour l'essentiel. Ce qui nous donne, on a mis également en réserve d'investissement 400 000 euros supplémentaires pour permettre le remboursement du capital de la dette en 2024, et ce qui nous fait un report en fonctionnement de fin d'année qui sera de 2 878 000, je vous passe les détails, euros. Voilà. Merci beaucoup, Paul. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques. Moi, j'en profite juste pour remercier les services, puisque vous savez, sur une ville de notre strate, d'habitude, à cette période, on est plutôt sur les autres villes, si vous regardez, sur des budgets supplémentaires. Là, on est sur une délibération, une décision modificative qui, pour le coup, est vraiment un peanut, un delta, et en plus un delta dans le bon sens. Mais je vous en prie. J'ai juste une question. Alors, c'est annexe, mais en même temps... Plus proche du micro. Pardon. C'est une question qui est générale, mais qui est par rapport aux dépenses LED, là, 56 000 euros, je crois, quelque chose comme ça. Quel est le rapport, enfin, on pense à 5 ans, 10 ans, 15 ans pour que ça soit efficace. Enfin, voilà, c'est comme. C'est pour me le retour sur investissement. Le retour sur investissement, voilà. Le temps de retour sur investissement. Je n'ai pas le chiffre précis. À peu près, c'est pour savoir, de manière générale, la manière dont on agit, quoi. Je vais vous donner le chiffre. C'est une dizaine d'années pour la rentabilité sur ce genre d'équipement. Mais au-delà de cette dizaine d'années, ce qu'on constate surtout, c'est vraiment du mieux tout de suite. Par exemple, on peut mieux programmer et par conséquent, entre deux matchs, par exemple, on peut éteindre ce qu'on ne pouvait pas. Parce que vous le savez, quand on n'est pas en LED, on a des temps de chauffe qui sont très très longs et par conséquent, on les sait toujours allumer. Donc, c'est une dizaine d'années pour la rentabilité financière, mais c'est immédiat, c'est j'ai envie de dire, pour l'écologie. Ça. C'est un indice, quoi. Le chiffre, je crois, c'est 40% de gain. Une petite précision, les 310 000 euros de Béjart, vous pouvez nous redire ce que c'est ? Les moins 310 000 euros en recettes d'investissement ? C'est juste le décalage de la toiture de Béjart. Ok. Ça sera juste décalé temporellement puisqu'on attend les subventions oui, sont décalées. Il y a effectivement des opérations qui sont décalées. D'accord. Deuxième question, enfin remarque, là. C'était combien les frais de contentieux ? 21 000 ? Oui. 21 000, oui. Ça concerne quoi ? Ouais, ça concerne les grandes lignes ? Pardon ? Dans les grandes lignes, ça concerne quoi ? Alors, pour une très grosse majorité du RH. Du RH, ok. Dernière question, 43 000 euros d'amende de radar de police, donc c'était pas budgété, c'est ça ? Non, on ne budgète pas trop les amendes. 43 000 euros d'amende ? Non, on n'anticipe pas vraiment les contraventions. C'est sur plusieurs années, puisqu'on ne les a pas chaque année. C'est la petite part que l'État reverse sur plusieurs années à un moment qu'ils décident eux. D'accord. C'est pas 43 000 euros d'amende qui ont été mis depuis le début de l'année, je rassure tout le monde. Ah, vous rassurez les Vernoliens, alors. Merci. Oui. Bon, nous, on est souvent intervenu sur la question du budget. On voit que c'est une question un peu nationale, en fait, cette question du budget. Et on voit que, encore une fois, les débats nationaux vont nous toucher à un moment ou à un autre, parce qu'on voit bien que le déséquilibre au sein de l'État va peut-être faire qu'on va reporter une partie des dépenses sur la commune. Donc ça, c'est une question qui est ouverte. Et on l'a déjà dit que, effectivement, ça constitue un risque important et que ça sera un héritage probablement de la majorité à laquelle vous appartenez, faut quand même le dire. Et voilà, après, on ne va pas s'étaler deux heures. Ce qui est sûr, c'est que, quand on voit votre budget, on voit que
les charges à caractère général ne diminuent pas. Hein. Donc ça veut dire que, grosso modo, vos frais de fonctionnement continuent à être en croissance. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose qui interpelle, c'est que évidemment, donc, y a des frais de personnel. Hein, donc c'est lié aux élections législatives qui ont été organisées par la majorité que vous soutenez, évidemment. Mais je vous rappelle que maintenant, on fait tous partie de la même majorité, si j'ai bien compris. Mais je n'appartiens pas au groupe LR. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que, eut égard au débat d'hier, si vous faites partie de l'opposition, je suis intéressé de le savoir. Quelle opposition ? Mais vous savez quoi ? Je crois qu'on va pouvoir en parler, puisque vous nous censurez fortement quand on essaye de poser des questions qui vous dérangent, et on aura l'occasion d'en parler. Maintenant, je vois deux choses quand même, c'est que des honoraires qui augmentent, hein, donc, de DAF et de courtier, et puis des frais de contentieux, des frais de personnel qui augmentent évidemment, mais des frais de contentieux aussi, à hauteur de 22 000 euros. Et ça, ça étonne quand même, c'est que vous avez manifestement encore besoin d'utiliser des avocats. Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Non, mais répondez-nous maintenant sur cette question-là, parce que... D'abord, contrairement à la lecture que vous faites, sachez qu'on n'est pas sur des augmentations, on est sur des choses qui ne sont pas budgétées préalablement. Donc il n'y a aucune augmentation. Non. C'est une augmentation peut-être sur la ligne, mais en tout cas, je vous rappelle que le total, c'est une diminution. C'est quand même l'objet de cette décision modificative. La chose, parce que c'est quand même rare hein, d'avoir des budgets modificatifs qui sont à la baisse et non pas à la hausse quand même. Je pense que vous pourriez aussi budget, le souligner. Le budget de fonctionnement, enfin, la section fonctionnement, c'est pas la même chose que la section d'investissement. Non, je parle, là, on n'est pas du tout sur le budget global. Vous auriez raison en mars prochain. Mais là, on est sur une décision modificative. Mais en fait, on ne va pas y passer 4 heures. Vous dépriorisez des choses pour prioriser d'autres choses. Non. Aujourd'hui, vous priorisez des frais de contentieux. Non, voilà. ce n'est pas exactement une priorisation. Non. Mais si je puis me permettre, on aura l'occasion d'en reparler. De toute manière, là où le terrain sur lequel vous voulez aller n'est pas le bon, puisque j'ai répondu à la question, les contentieux ne sont pas des contentieux comme celui de la dernière délibération que nous étudierons tout à l'heure, mais en l'espèce, je vous le reconfirme, des choses qui sont plutôt administratives. Pas forcément à la ville. Hein. S'il n'y a pas de questions, dernière question. Sur ce que vous venez de dire là, ça ne coûtera pas à la ville. C'est des contentieux administratifs qui ne coûteront pas la ville. Ça dépend des condamnations. D'accord. Mais en fait, on a un abonnement là, mensuel qui est insuffisant. Donc, c'est bien qu'il y a plus de contentieux menés par la ville ces dernières années. Parce que, l'abonnement que nous avons avec un avocat n'est vraiment limité qu'à certains types de droits. Si je puis me permettre, on a également, enfin, il n'est pas compétent, par exemple, sur de l'urbanisme, où on a un certain nombre de contentieux. On n'a pas également la possibilité de le saisir sur tous les sujets RH, sur tous les sujets, etc. Oui, il se trouve qu'on a eu une ligne de contentieux qui a un petit peu augmenté. Après, ce n'est pas dramatique. Et surtout, ce sont des choses qui souvent sont remboursées post-jugement. Ça, ce n'est pas dramatique. Ça, vous ne pouvez pas le juger vous-même. Hein, si, je peux le juger, puisque c'est plutôt des sujets RH. Il y a quand même 20 000 euros de contentieux supplémentaires. En général, ces finances restent stables. C'est bien qu'il y a plus quand même de besoins. Parce qu'en général, on le prévoit autrement. On met au mieux la même somme que l'année d'avant. Et... la directrice des finances prévoit en général bien ce genre de choses. Mais si je puis me permettre, je vais vous donner un exemple. Non, mais je vais vous donner un exemple qui démontrera tout à fait votre rhétorique. C'est qu'on a... On n'est pas là pour se démonter. Démonter une rhétorique, si ça se dit, ça veut dire que votre rhétorique est erronée, à savoir que, par exemple, c'est très rare que la ville se retrouve devant le Conseil d'État. C'est quelque chose qui ne se fait pas habituellement. C'est quelque chose d'imprévu. C'est suite à une procédure que vous avez lancée. Suite à deux procédures. Oui, donc que vous avez. Une que nous avons lancée, l'autre que nous n'avons pas lancée. D'accord, mais. Mais vous ne connaissez que celle qui vous intéresse, puisqu'elle concerne une élue. En fait, vous savez quoi ? Je me préoccupe peu des petits combats que vous menez. Je sais pas, vous parlez des petits combats que la ville doit mener. Vous savez, les risques sur les sujets RH, ils sont extrêmement importants. On parle de dizaines de milliers d'euros hein, sur les sujets RH. Mais vous, il y a la seule chose qui vous intéresse, c'est la politique. Ville. Ce sont les sujets de la ville que la ville, évidemment, doit mener. Mais il y a vos combats aussi dans le lot. Mais vous avez dit on y reviendra, mais je crois que vous mélangez deux sujets. En tout cas, il y a 20 000 euros quand même. Non, c'est vraiment ridicule. Je voudrais juste ajouter quelque chose. Sans rentrer du tout dans le détail. C'est rien pour une ville de strat. En matière de RH qui nous a coûté le plus cher, il a été engagé en 2012. Et en fait, ce sont des procédures qui continuent depuis 2012 et on est en 2024. Donc, dire que ce sont des procédures qu'on a engagées, on ne fait que défendre. Abandonner. Attendez. On ne peut pas les abandonner. Sinon, on paye.
ce sont des procédures qui sont très complexes, mais je note qui demandent des plaidoiries, et il y a les procédures qu'on engage et il y a les procédures qu'on subit. Et on doit défendre les intérêts de la commune, on doit défendre les intérêts de la commune face aux attaques dont on est l'objet. Ben, si je puis me permettre, je note en tout cas, je note pour l'avenir, je note que vous auriez souhaité l'abandonner, mais ce n'est pas mon cas. Ben, je ne sais pas, vous dites que nous avons fait un choix. Bon. Ben, on l'a délibéré ici, hein, pourtant. On n'a pas à rentrer dans le détail des procédures. On ne peut pas rentrer, mais on l'a présenté ici, donc pour le coup. Allez, je vous propose d'avancer, de la mettre aux voix. Qui est-ce qui s'oppose ? S'abstient ? Qui s'oppose ? S'oppose ? S'oppose, s'oppose. S'abstient. J'en déduis que c'est adopté. Je propose que Paul passe à la mise à jour du règlement budgétaire et financier. Alors, ça va être très, très rapide, puisque cette mise à jour du règlement budgétaire et financier, c'est une obligation qui nous est faite par le préfet. Ça concerne les autorisations de programme et les crédits de paiement. Donc, c'est un dispositif d'étalement de l'investissement sur plusieurs années. Je ne rentre pas dans le détail. Nous n'avons pas engagé ces dispositifs. Donc, on est obligé de présenter la délibération. Elle ne nous concerne pas. Je vous la soumets. En fait, c'est juste... Oui, je propose de la mettre au vote parce qu'en fait, ce n'est pas une délibération qui ne concerne la ville de Verneuil. Vous l'avez de toute manière dans les documents. C'est marqué en très gros, ce mode de gestion n'est pas mis en œuvre pour le moment à Verneuil, mais il faut toujours adjoindre dans le règlement budgétaire et financier la possibilité de s'ouvrir la porte sur ces dispositifs qui sont de toute manière pas viables à Verneuil. Sans question, je propose de la mettre au vote. Qui est-ce qui s'oppose ? S'abstient ? J'en déduis que c'est adopté. Je vous propose de passer à la délibération suivante sur l'attribution du marché de restauration collective dans les écoles, accueils de loisirs et crèches. Alors, nous avions avec la société Convivio, depuis 3 ans, un contrat pour la fourniture de repas aux écoles. Et nous avions avec la société Ensemble un autre contrat pour la fourniture de repas dans les crèches. On a défini dans cette délibération un seuil maximum hors taxe de 550 000 euros pour le nouveau marché. Là, il fallait renouveler ce marché. On a fixé, on a évalué à 550 000 euros hors taxe le montant de ce marché. Et pour concernant les crèches, on a évalué à 68 000 euros hors taxe. La bonne nouvelle, c'est que la dernière fois, on avait pour la restauration collective qu'un seul candidat, c'était Convivio. Là, on en a eu, je crois, quatre qui se sont présentés. Et donc, on a pu faire un choix positif. L'accord est donc conclu pour une durée d'un an avec la société SAS Yvelines Restauration concernant la restauration des écoles et des accueils de loisirs. Et on reconduit la société Ensemble SAS pour la restauration dans les crèches. Au passage, tout à l'heure, on avait un débat sur l'engagement de charges de fonctionnement très importantes. Il faut savoir que, et là encore, ce n'est pas quelque chose qu'on engage, c'est quelque chose qu'on subit complètement. Sur les 3 dernières années, l'augmentation des frais de restauration est de 30%, de près de 30%. Je ne sais pas si vous vous représentez. Donc, quand on dit oui, les frais de fonctionnement augmentent, c'est à notre corps défendant. Pardon ? Oui, non, mais je veux dire, les explications simplistes, je dirais, sur l'augmentation des charges de fonctionnement, c'est pas possible quand on voit cet exemple-là, et pas que cet exemple-là. Sur l'ensemble des matériaux, sur l'ensemble des énergies, il faut vraiment voir les choses comme elles sont. Et bien, bah, nous également. Et la ville aussi. Et la ville aussi. Et la ville aussi. Oui. Thierry ? Sur ce point-là, M. Malray, oui. Nous en avions déjà débattu, puisque vous aviez été mis au pied du mur par l'un des fournisseurs. Du mur ? Je ne sais pas le souvenir, mais... Oui. Ah oui, on était au milieu, pardon. Excusez-moi. Et alors qu'on venait juste... Ah oui. De signer juste avant tout à fait. Une tarification, vous avez tout à fait raison. Et que vous aviez dit, OK,
C'est pas nouveau comme, comme constatation. La seule chose, c'est ça représente quoi finalement par repas pour la ville de ces 550 000 euros, parce que c'est sur combien de repas, voilà. C'est pour avoir une estimation. Alors là-dessus, on a un cabinet qui a fait des études. Après, on a parfois des discussions un peu compliquées pour savoir si on impute des charges indirectes de structure, etc. Mais si on suit les chiffres qui sont donnés par cette société, c'est 14 à 15 euros, 14 à 15 euros, en y intégrant les frais de structure par repas et par jour. Mais ça dépend des cautions, hein, donc c'est un peu plus complexe. C'est le prix de revient réel. Mais ça montre d'ailleurs au passage que les tarifs publics que nous pratiquons sont des tarifs qui évidemment représentent une contribution importante de la mairie, qu'on a toujours choisi de reconduire. Mais il faut être clair que le prix qui est facturé aux familles, y compris le prix le plus cher, est très loin de ce que ça nous coûte réellement. Juste une petite remarque. Jusqu'à présent, on avait Covivio comme prestataire pour les repas scolaires, etc. Donc, il faut savoir que Covivio, et j'ai travaillé avec Paul pendant quelques temps, chaque année, il augmentait ses tarifs de 20%. Il faut savoir aussi. Non, pas chaque année de 20%. Oui, grosso modo. Non. Bah, les deux dernières années, enfin, c'était ça. Alors, il faut savoir que Covivio, il est coté en bourse et il verse. Il a la restauration plus des hôtels. Pour les hôtels, il paye un dividende de 1,75 euros par action. Et au niveau de la restauration, c'est 3,75. Alors maintenant, si les villes ne veulent pas négocier leurs tarifs de l'augmentation de 20% et tu veux payer les actionnaires de Covivio, moi je veux bien. Et donc, c'est la population qui subit ce genre de remarques. Tu payes plus cher. Et j'espère que les nouveaux Mais quoi qu'il en soit, ne font pas partie de la du CAC 40, c'est tout. Quoi qu'il en soit. Et Thierry a bien, Thierry Huret a très bien fait de le rappeler, c'est qu'il y a un an, on se retrouvait sans personne. Et on ne pouvait plus assurer les. Donc on a été le dos au mur, on a été obligé d'accepter leurs conditions, peu importe leur rentabilité, etc. Et là, on peut se féliciter que là, dans cet appel d'offres, et en jouant le jeu des règles de marché, eh ben, on se soit séparé d'eux et qu'on ait trouvé une offre plus intéressante à la fois quantitativement et qualitativement. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec toi, Paul, pour la simple raison. Je suis désolé, Socrate, je me permets de te couper parce que tu as dit une bêtise et je pense qu'il est important de rectifier. Le groupe Convivio n'est pas coté en bourse. Si. C'est Covivio qui est coté en bourse et ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même société. J'étais en train de vérifier. Attendez, bon, à vérifier. On avait Covivio. On avait Convivio. Convivio. D'accord, ok, ça marche. Bon. Ok. Je vous propose de mettre la délibération au vote. Il y a des questions, pardon. Juste une toute petite rectification pour M. Malray, pour dire que, évidemment, les frais de. Les charges de restauration augmentent. Mais quand on parle de l'augmentation des charges de fonctionnement, on parle de la principale source d'augmentation des charges de fonctionnement qui sont les frais de personnel. Hein, c'est sans commune mesure par rapport aux chiffres qu'on parle là, puisque on parle de l'ensemble du budget de la commune. Voilà. Bah, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que quand on prend le. Vous regardez ce qui vous intéresse, entre guillemets, pour polémiquer, mais la réalité, c'est que si vous prenez les charges de fonctionnement, il faut un petit peu les décortiquer, il faut retirer les points d'indice, il faut retirer les augmentations, il faut retirer les avantages aussi qu'on donne aux agents. Et si vous regardez pour de vrai l'augmentation, elle est assumée de notre côté, mais elle est relative par rapport à ce qu'on peut voir notamment sur des villes autour. Et honnêtement, eu égard à tous les projets qu'on porte, elle ne me semble pas abusive. Et moi, je parle de chiffres qui sont réels. Je comprends qu'il vous dérange. Ah non, il ne me dérange pas. Et je ne fais pas de la polémique et vous faites de la politique, tout simplement. Donc vous dites ce que vous avez envie de dire pour que les gens l'entendent. Voilà, c'est tout. Mais et les chiffres, ils sont consultables par tout le monde. Et je pense que ça intéresse énormément de Verneuliens de savoir que, en fait, l'augmentation du budget repose sur les frais de fonctionnement.
Ben non. Voilà, et notamment la masse salariale. Mais là, enfin, bref, je ne vais pas y revenir, mais je rappelle juste que tout à l'heure, on parlait de diminution, hein, et que là, on est sur quelque chose qui n'a rien à voir avec les frais de fonctionnement, qui est une décision relative cette fois-ci à un marché école-crèche où il n'y a pas de fonctionnement, justement. Donc, mais je vous invite, encore une fois, je vous invite pour vous donner les idées. Il y a tous les chiffres et les schémas dans le rapport d'activité, et on pourra en rediscuter. Je ne reviens pas sur votre débat entre Blaise et... J'avais une question sur le lot 2. Alors, je n'avais pas mémoire que Ensemble avait déjà le lot crèche. Le lot crèche est de fait moins important que le lot des écoles et des accueils de loisirs. Et je vois qu'ils sont à Vannes. Ma question, c'était de savoir comment ils étaient organisés, ce qu'ils avaient mis dans leur cahier des charges ou dans leur note méthodo. Enfin, comment ils livrent, etc. Comment cette entreprise-là est organisée vu... En tout cas, l'adresse du siège social, ouais. Après, ça va peut-être le siège social est à Vannes, mais en fait, ils ont les agences en banlieue parisienne. Ouais, ouais. Ça fait partie des sujets. De toute façon, à chaque fois, on a vérifié qu'ils n'étaient pas livrés à l'autre bout du monde, puisque au tout début, quand on est arrivé, le fournisseur était au Havre. Et donc, à chaque fois, on a été vigilant sur les agences parisiennes qui sont présentes. Je confirme. Et simplement, je répète qu'on les reconduit, parce qu'on est content de leur travail. Au contraire. Et pour l'adresse précise, je crois qu'ils sont à Dreux pour l'agence qui dessert Vernet. Pour ce qui est de cette délibération, je propose de la mettre aux voix. Qui est-ce qui s'oppose ? S'abstient ? J'en déduis que c'est adopté. Je propose de passer à deux délibérations un peu techniques. Mais Paul, je te laisse la main sur la flotte automobile. Alors, concernant cette délibération, il s'agit de la résiliation du marché relatif aux prestations de services d'assurance concernant les flottes automobiles et risques annexes. Il faut savoir que suite à la sinistralité, donc deux véhicules accidentés, le vol d'un camion est pour une valeur de 31 000 euros, et l'incendie d'un véhicule de police pour 33 000 euros, la société qui nous assurait, la SMACL, nous a largué en rase campagne. Et donc, on doit trouver d'urgence et ça c'est vraiment une très mauvaise nouvelle, et on doit trouver d'urgence une solution de remplacement à compter du 1er janvier 2025. Voilà, donc cette résiliation, c'est de fait. Hein, ça concerne, nous propose la signature pour... oui, alors en fait, cette société acceptait de continuer à nous assurer, moyennant une augmentation qui était de 147% de la prime d'assurance. Alors que depuis 10 ans, nous n'avions aucun sinistre dans ce registre-là. Il a suffi de deux sinistres, et en plus de deux sinistres vraiment dans lesquels on ne peut pas faire grand-chose, hein, se faire voler un camion... je veux dire ça. Et en plus, je crois qu'il a été volé dans un endroit sécurisé. Donc, c'est dire. Donc, on résilie ce contrat et on en cherche d'autres. Voilà. C'est purement technique sur sa délibération. Je propose de la mettre aux voix. Oui, pardon. Petite interrogation. Oui, c'est suite notamment aux émeutes. On peut regretter que les assureurs... se comporte de la sorte, puisque nous aussi on n'y est pour rien, hein. Se faire brûler, oui, un véhicule de police, on l'a pas voulu. Dans une enceinte protégée. Oui, en plus dans une enceinte protégée. Est-ce qu'on a fait un peu de sourcing? Est-ce qu'on est sûr qu'on va pas se retrouver avec une surprise sur un nouvel appel d'offres? Là c'est vrai qu'ils font plus de 147%, c'est-à-dire qu'ils doublent quand même la police d'assurance, hein, on le voit dans les chiffres, mais est-ce qu'on est sûr qu'on va pas avoir une mauvaise surprise en relançant un appel d'offres? C'est-à-dire de revenir à peu près au niveau. Alors après, c'est le jeu, c'est le risque qu'on prend. C'est toujours le problème, et c'est toujours le problème de consulter. C'est-à-dire que quand on concerte ou quand on consulte, on ne sait pas quel va être le résultat. Ce qui est sûr, c'est qu'on a un cabinet qui nous conseille sur ce plan et qui pronostique des augmentations assez fortes d'assurance, notamment liées aux émeutes et qui ont augmenté les primes des assurances de manière assez substantielle. Mais ce qui est important, je pense, à mettre comme disposition, c'est que la société d'assurance ne nous lâche pas en rase campagne sur un problème de sinistralité.
Qui est-ce qui s'oppose? S'abstient? J'en déduis que c'est adopté. On va passer à la suivante qui est la suite. Sur le marché. Bon, c'est la suite. Donc, prestations de services. Voilà. Comme on le disait précédemment, il y a urgence. Et il est proposé de donner l'autorisation à M. le maire de lancer un appel d'offres ouvert par anticipation pour le lot flotte automobile et risques annexes. Je sais pas si c'est des questions ou des remarques. Je propose de mettre aux voix. Qui est-ce qui s'oppose? S'abstient? Nous verrons donc les résultats de ce marché. Pour passer aux délibérations RH, nous allons passer à la création de postes permanents. Je te laisse la parole, Paul, toujours. Alors, là, il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a pas de recrutement significatif. Les tableaux qui suivent, hein, je dirais, ça vaut pour les créations de postes permanents, les suppressions de postes, les deux suivantes, les deux délibérations classiques suivantes. Excusez-moi. En fait, je vais vous expliquer un petit peu à quels événements correspondent ces différentes. C'est d'abord l'écart entre les créations. En fait, on a transformé deux postes de vacataires en postes permanents parce qu'on considérait qu'il s'agissait d'une activité pérenne. On poursuit la contractualisation des vacataires. Et là, on se met d'équerre avec la loi. Il s'agit aussi de créations liées à des promotions internes, donc soit de création de grade, soit d'avancement de grade suite à promotion. Et évidemment, qui dit création dans le nouveau grade ou dans le nouvel avancement d'échelon, dit suppression dans l'ancien grade. Donc ça correspond à ces deux mouvements-là. Bon, pour le coup, il n'y a rien sur ces créations de postes. On s'est permis de vous indiquer, parce qu'on a toujours la question, le temps de travail, ça me semble important. On n'est pas sur des postes qui sont nécessairement à plein temps. Parfois, c'est 10%, parfois, c'est 30%, parfois, c'est 100%. Mais c'est création et suppression. Et on commence par la création. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques. On va passer ensuite à la délibération sur la suppression, qui est en fait le miroir en fait, de cette délibération. Qui s'oppose? S'abstient? J'en déduis que c'est adopté. Et pour ce qui est de la suppression des postes permanents, c'est exactement le miroir, ce qu'a dit Paul. Je ne sais pas si on va les voter en même temps. Qui est-ce qui s'oppose? Logiquement? Non? Pas logique? Pas logique. Qui s'abstient? Merci. J'en déduis que c'est adopté. Bon. Et les deux dernières délibérations, c'est la déclinaison habituelle. Sur le tableau des emplois et sur le tableau des effectifs de ces modifications, ni plus ni moins. Donc, c'est délibérations 11 et 12. Pour les emplois permanents, c'est vraiment le miroir, là, pour le coup, c'est exactement la même chose. Qui est-ce qui s'oppose? Pardon, une question. J'ai deux, trois questions. Deux questions. Ouais. Toi? J'ai jamais eu l'occasion de réellement m'approprier le sujet par rapport au comptage. C'était plutôt la chasse gardée de Blaise depuis le début du mandat, même si je me suis approprié le sujet par rapport au budget. Hein. Néanmoins, pour une fois, j'avais quelques heures à perdre. Et donc, j'ai saisi sur un tableur Excel. J'essaie de reprendre, parce qu'on parle de postes, de personnes, mais on ne parle pas d'ETP. Il n'y a pas les totaux en ETP. Il n'y a pas les totaux. Non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai quand même mis tout ça sur un tableur Excel. Et je me suis livré un petit comparatif entre le tableau des effectifs du 1er janvier 2021 et celui du 1er janvier 2024. Sans surprise, Blaise, et puis les membres du conseil, mais Blaise en particulier, on est passé de 210 ETP, équivalent temps plein, à 241 sur le tableau qui fait l'objet de la présentation de ce soir. Donc, soit une augmentation de 14,8%. Je vais te laisser continuer. Non, visiblement, tu ne me laisses pas continuer comme d'habitude. Non, c'est juste pour une précision, parce que là, à ce stade, ce que je disais, c'est que la contractualisation des vacataires augmente de fait les effectifs. Un vacataire n'est pas compté dans les ETP, et par contre, il l'est à partir du moment où il est contractualisé. Oui, mais là, il compare. Oui, mais justement, ça, c'est. Non, je ne compare pas des choux et des carottes. Je compare un tableau des effectifs qui est figé
au 1er janvier 2021 et un tableau des effectifs qui nous a été présenté ce soir, qui inclut tout le monde. Donc effectivement, c'est comme ce que monsieur le maire vient de dire, notamment sur les postes animation, d'accord, on a du 0,7 temps complet, 0,2, 5,3, 0,4, etc. Et puis après, il y a le nombre de personnes. Mais si on compile, on additionne des choux des carottes. Hein. Et si, Pour une fois, honnêtement, pour une fois, j'étais cool parce que je suis parti du tableau des effectifs. Mais si vous le souhaitez, oui, ça explique entre autres ce qu'on évoque depuis le début du mandat. Alors moi, il y a juste une interrogation parce qu'une fois de plus, vous savez, on est là pour. Moi, je suis là pour m'interroger sur plein de trucs. Hein, vous savez, moi, je m'interroge, je ne conclus jamais rien, mais je tire des lignes. Sur le poste police, bon, augmentation de 14,9. Donc là, on est sur 8 ETP. Oui, et ça, on l'assume. Pourtant, non, attendez. C'est dingue, hein. C'est juste infernal. Bon. Pourtant, dans la photo de famille, ici, d'accord, on voit qu'il est prise, hein, c'est vous. Bah, vous avez des ASVP, donc ils ne sont pas sur la même ligne. On est 15. Ah oui, vous avez des ASVP sur la photo. On est 15. Ils sont où, les ASVP, là? Bah, sur votre photo. C'est écrit en plus sur la légende. Ils sont où? Mais ils sont sur votre... Dans le tableau des effectifs, ils sont où, les ASVP? Ah, mais ils ne sont pas sur la même ligne. Ils ne sont pas sur la police municipale. Non, mais je peux vous... Ils sont où? Dans quel... Ils sont en animation? Ils animent la rue? Bah, je ne sais pas, vous avez dit que vous avez regardé le tableau. Attendez, il n'y a pas marqué ASVP. Il y a marqué catégorie A, B ou C. Mais il n'y a pas de statut d'ASVP. Culture, technique, admin... animation, sport, je demande. Souvent, la libellisation, elle est souvent technique. Là, je n'ai pas revérifié, mais elle est souvent technique parce qu'il n'y a pas de statut d'ASVP en RH. Bah alors, ils sont dans quel budget, les ASVP? De toute façon, c'est toujours le budget ville. Hein. Donc, dans les RH, un ASVP n'apparaît pas. Donc, les vacataires apparaissent à 0,2% dedans, mais il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre. Ils sont où, les ASVP? Il y a des temps complets. Mais c'est de la ventilation, mais sauf que ça ne change rien, puisque c'est toujours le budget ville, de toute manière. Bon, alors, effectivement, puisque ça ne change rien, on a eu une augmentation en 3 ans de 14,8%. Voilà, point. C'est QFD. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Je rebondirai après. De la même manière, hein, je suis content que Georges-Édouard ait refait ses calculs de son côté, puisqu'il arrive au même résultat que moi, et que effectivement, on peut faire le calcul en prenant effectivement le temps de travail. Et donc on somme tout et on obtient bien les ETP. C'est d'ailleurs comme ça que vous le faites, j'espère, parce que sinon, effectivement, si vous ne le faites pas, c'est peut-être que ça explique qu'on est aux telles augmentations des charges de personnel. Parce qu'à la fin, on paye bien des salaires aux gens. Et ça coûte bien quelque chose. Et il y a bien des gens qui travaillent. C'est-à-dire que quand vous dites c'est 0,30%, etc., il y a bien quelqu'un par derrière. C'est pas juste 0,30%. Il y a bien quelqu'un par derrière qui vient. Donc, c'est des vraies personnes. Oui, on paye les gens qui sont employés à 30%. Oui, ça, oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même autant de personnes. On est d'accord personnes. Là-dessus. Oui, voilà. Non, mais ça fait, je sais pas vous ce que vous avez comme vision de la ville. Mais moi, ma vision, c'est un mandat de projet. Donc oui, je veux des gens pour pouvoir travailler. Avec les effectifs que nous avons hérités au dernier mandat, on ne pouvait rien faire. D'ailleurs, il s'est bien rien passé au dernier mandat, si vous me permettez. Mais au-delà de ceci, il ne faut pas mélanger les choux et les carottes. C'est-à-dire qu'on ne paye pas de la même chose un DGA et un vacataire. Donc ce n'est pas un pour un. Par ailleurs, ce qui compte, c'est surtout d'assurer trois choses. Le bien-être des agents, ça me paraît plus essentiel que de pinailler sur un ou deux postes suivant s'ils sont à 10% ou à 15%. Deuxièmement, ce à quoi ils sont dédiés et plus spécifiquement, quels sont les projets qu'ils vont permettre de mener. Jugez-nous sur les projets, pas sur le budget, mais pas sur le nombre de postes. Ce n'est pas la bonne variable. Ce n'est pas vous qui décidez sur quoi on vous juge. Ah bah vous jugez sur ce que vous voulez. Les électeurs. Et depuis tout à l'heure, la cohérence, elle n'est pas tout à fait de votre côté, si je puis me permettre. Mais vous êtes totalement incohérent dans tout ce que vous présentez. Ah bah c'est pas moi qui ai voté contre la création de postes, mais pour la suppression, parce que ça, ça veut rien dire. Hein. Bah ça veut évidemment. C'est les mêmes agents. Hein. Bah ça veut bien dire quelque chose. Ça veut juste dire que vous croyez quand c'est marqué augmentation que ça augmente les finances et suppression que ça descend. C'est binaire. Hein. C'est quand même très binaire ça. Laissez terminer. Encore une fois, vous allez tomber dans les invectives. C'est pas les invectives, c'est juste que depuis tout à l'heure, je suis désolé, vous mélangez les choux et les carottes. Je vous demande c'est la saison de la soupe qui approche, mais quand même. On ne peut pas avoir un débat, c'est pas possible, en fait, et c'est fort dommage, parce que vous coupez la parole toutes les deux secondes dès que vous êtes sur un sujet qui vous dérange. Ah, mais je ne suis pas dérangé. C'est votre remarque qui n'est juste pas constructive. Parce que autant je peux assumer
qu'il y a une augmentation sur certains postes. Je l'ai toujours assumé. Sur la police, oui, c'est nécessaire. Je juge que c'est nécessaire. Si vous pensez que ce n'est pas le cas, eh bien, c'est votre droit. Mais moi, je pense que c'est important. Pour les ASVP, je vous confirme, j'ai vérifié, c'est bien des agents techniques. Oui, bien sûr qu'on assume. En plus, avec le stationnement résidentiel, sinon, ça n'a aucun sens. Et de la même manière, oui, pour porter certains projets, il faut en effet avoir un chargé d'attractivité pour pouvoir avoir de l'attractivité. Et ça nous a permis d'avoir NZIS, n'en déplaise. Donc j'en suis désolé. Oui, j'assume une certaine part d'augmentation. Mais par contre, si on additionne les vacataires et les directeurs généraux, ça n'a plus aucun sens. Donc il faut tout remettre dans le même sens et assumer suivant nos moyens, puisque nous avons les moyens. On n'a toujours pas augmenté les impôts. Ça fait 4 ans qu'on me dit que je vais les augmenter. Je suis désolé, M. Naville. Mais pour notre. Et les sommes, toujours. Ah ben, la ville, c'est ni l'un ni l'autre, si je puis me permettre. Puisque sur les taux, ce n'est pas nous qui les fixons. Non, mais même les impôts, tous les vernoliens. Oui, mais les coûts augmentent aussi. Mais non, tous les. Mais on parle de. C'est les bases. Mais écoutez, ne dites pas que vous n'avez pas augmenté les impôts. Ah ben non. Nominalement, ça a augmenté. Nominalement, en bas, ça augmente. Pour tout le monde. Oui, donc, c'est un peu facile. Non, oui, c'est vrai, c'est la réalité. Si vous baissiez le taux, on arriverait à un taux. Si vous voulez, on pourrait, bien sûr, il y a toujours l'hypothèse de baisser, mais ça, sauf que je rappelle qu'on vient de voter tout à l'heure les augmentations qui sont très fortes des prestataires. Une égalité des montants. Donc, mais égalité des montants, il faut intégrer ceux qui sont aussi indépendants de notre volonté. On est d'accord, c'est un choix. C'est un choix. Vous faites un choix de faire que les Vernoliens payent plus cher tous les ans. Et la partie municipale. La partie municipale est augmentée tous les ans. Ah c'est votre choix. Ah non. Mais non, pas la partie municipale. Vous confondez. Non, non, c'est les valeurs locatives. Ce n'est pas la même chose. Aucune augmentation de la partie municipale. Non, mais non. Je ne parle pas du taux, encore une fois. C'est le montant, mais la réalité, du montant, c'est que le montant de la cantine augmente. Je ne paye pas des taux. Excusez-moi, hein. Je ne paye pas un taux, je paye un montant. Ouais. Mais donc, si je puis me permettre, lorsque vous payez vos impôts, vous payez une part qui est complétée par ailleurs en termes de part par, exemple, les tarifs. Des montants à la ce sont des montants à la fin, je paye pas des mais la totalité de cette fiscalité, elle permet de compenser un certain nombre de services dont certains peuvent augmenter ou diminuer en investissement ou en fonctionnement, mais certains peuvent augmenter ou diminuer, par ailleurs, si je puis me permettre, complètement indépendant de la volonté des élus et à l'échelle nationale. Là, quand on parlait tout à l'heure, là, le budget, on parlait plus 14,8% ETP, mais c'est la masse salariale dans son ensemble, on parlait déjà, etc. Mais la masse, c'était, il y avait deux constats qui sont en parallèle. Augmentation du nombre de TP, augmentation de la masse salariale. Qu'il soit lié à l'inflation, à ce que vous voulez, il y a une augmentation nominale. On paye plus cher. Tout le monde n'est pas augmenté. Et je l'ai déjà dit à un autre conseil municipal, n'est pas augmenté du coût de la vie à chaque fois. Et pour autant, un certain nombre de personnes le sont systématiquement. Il y a une différence, effectivement, sur le coût ressenti pour l'ensemble des gens qui ne touchent pas cette inflation dans leur salaire, avec ceux qui peuvent le faire. Et les charges municipales augmentent du coût de la vie qui est supérieur aux charges salariales. Donc le coût ressenti est supérieur, à la charge qu'on peut avoir. C'est juste ça. Et c'est pour ça que c'est ressenti durement et qu'on en a déjà parlé. Vous comprenez bien que si vous êtes à 100 et vous touchez toujours 100 l'année d'après, alors que votre impôt est passé de 10 à 12, et ben, même si c'est que 2, oui, et ben, mais on est d'accord aussi. Non, non, mais je suis en phase avec vos discours, mais vous êtes d'accord aussi que s'il y a de l'inflation, c'est pas la mairie qui en est la cause. C'est la mairie qui fait la même chose. C'est-à-dire que la mairie n'anticipe pas. Non, mais attendez. Mais vous, pour votre portefeuille personnel, l'inflation, vous le subissez. La mairie l'a subi. On la répercute ou on ne la répercute pas. Et en l'occurrence, on ne la répercute pas trop. Là, vous avez choisi de répercuter l'inflation à chaque fois. Je ne dis pas plus que l'inflation, j'ai dit, vous avez répercuté. Excusez-moi, on ne l'a pas répercuté très vite, totalement, parce que rappelez-vous que sur les premières années du mandat, on ne l'a pas fait, et que justement, on a essayé d'assumer lors de l'Ukraine la situation. Non, si vous voulez, vous avez une augmentation des montants qui. Si vous passez de 1000 à 1070, qui permet à partir du taux sur lequel c'est calculé, ça, vous le savez très bien qu'il y a une augmentation de 7%. Alors, ce n'était pas cette année, c'était l'année d'avant. Mais vous savez très bien de quoi on parle. De toute manière, si je puis me permettre et qu'on revient au sujet, là, on est sur le tableau des emplois permanents. Le sujet, il est strictement RH. Pour ce qui est du RH et en termes, puisque là, on n'est pas encore sur le tableau des effectifs, mais le tableau des emplois permanents, constater, je suis désolé, que les évolutions ne sont pas drastiques d'une fois sur l'autre et que là, aujourd'hui, on n'est pas sur des augmentations annoncées. Donc,
Bien entendu, il peut y avoir des augmentations qui sont nécessaires pour mener certains projets, et on les assume, mais on n'est pas du tout sur des augmentations très fortes, comme j'ai l'impression de l'entendre à chaque fois. Ça fait 4 ans qu'on me dit, vous augmentez beaucoup, monsieur le maire, ça va entraîner des augmentations d'impôts. Peut-être que c'est vrai, mais ça fait 4 ans qu'on a démontré le contraire, et à chaque fois, votre surprise, et peut-être même votre désarroi pour certains. Ne confondez pas, ne pas augmenter beaucoup et ne pas augmenter du tout. Mais c'est pas pareil. On ne peut pas afficher, il n'y a pas d'augmentation. Oui, mais moi, j'ai la main que sur une seule chose. Non, je suis d'accord sur l'absolu, c'est-à-dire que c'est le montant qui compte à la fin. Mais une fois pour toutes, les maires en France n'ont la main que sur une seule chose, sur une seule variable. Et sur cette variable-là, nous n'avons pas bougé. Deux variables. Vous n'avez pas baissé. Sur deux variables. Oui, le taux intercommunal, ben oui, et le taux des syndicats intercommunaux. Donc, qui est en baisse, donc vous devez être content. Oui, il est très en baisse cette année. Alors, je vais vous faire une confidence, d'accord. Lorsqu'on dit, je te mets un gros coup de batte de baseball dans la tronche, tu te prends 2000%, et ensuite on fait du moins 5% les années qui viennent, et on fanfaronne en disant, les impôts baissent. Il faut vraiment prendre les gens pour des idiots, quoi. Cette année, vous avez vu sur votre fiche d'impôt l'atome ? Écoutez, moi, je suis un peu, vous savez, dans cette même salle, il n'y a pas si longtemps que ça. D'ailleurs, je vais arriver même voler à votre rescousse, Thierry. Un taux, un pourcentage, ça ne veut rien dire, d'accord ? Donc, j'avais fait la démonstration et j'invite tous les propriétaires à la faire. Vous prenez les deux premières lignes de la taxe foncière, d'accord ? Vous faites un comparatif 2020-2024, 30%. Point barre, en valeur absolue. Point barre. Donc, lorsque tout le débat, et en fait, d'ailleurs, monsieur le maire, pour tout vous dire, c'est vous qui avez lancé le débat en disant nous assumons nos choix, mais nous n'avons pas augmenté les impôts. C'est vous qui avez lancé le débat. Bien sûr. C'est vous qui avez lancé le débat. Oui. Les impôts en valeur absolue ont augmenté. Et vous avez augmenté. Bien sûr, surtout si vous additionnez de toujours les choux et les carottes avec la communauté urbaine. Alors, je vais vous dire un truc. Les choux et les carottes font très bon ménage dans une potée. Mais c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Donc, les choux et les carottes, ça fait très bon ménage. Oui. Une saucisse de Morteau, de Montbéliard, je vous jure, c'est super. Je vous invite la prochaine fois. Ouais, donc, mais le problème, c'est que là... Avec un bon Riesling. C'est que là, ça devient indigeste. Attendez, ce qui est indigeste, c'est ce qu'on vit depuis 4 ans. Je suis désolé, les impôts augmentent à Verneuil. Point. Arrêtez votre narratif, je travaille pour le pouvoir d'achat des Verneuiliens. Juste une chose. Eh bien, vous savez quoi ? Prouvez-moi le contraire. Ben oui, ben je vais le prouver tout de suite. Vas-y, prouve-moi le contraire. Allez, bosse pour mon pouvoir d'achat, viens. Non, t'as déjà voulu faire ma situation fiscale personnelle, là, il y a deux... vas-y, je t'écoute. Pas du tout. Simplement, comme tu le sais et comme tu le vois, entre 2020, où tu payais une taxe d'habitation et une taxe foncière, en gros, tu avais 100 plus... Je vais faire court. Tu avais 100 plus 100, pour faire à peu près équivalent. Donc, tu payais 200. Mais vous savez, ce qui est génial, c'est que vous mélangez... Arrêtez au Frechter de dire qu'on mélange... Merci. Alors, je vais finir le sujet puisqu'on est sur un sujet. On va finir parce que, en fait, vous nous. Merci, s'il vous plaît. Je vais simplement vous demander deux choses. Vous nous faites passer comme non, mais Madame Huard. Je crois, Madame Huard, qu'on va devoir changer bientôt, modifier le règlement intérieur si vous continuez comme mais ça. Vous modifier le règlement intérieur, Monsieur Frechter. C'est justement pour éviter ça. Faites comme vous voulez. C'est juste pour éviter ces situations intempestives. Vous avez droit à la parole, excusez-moi, je ne l'ai pas encore prise sur ce sujet. Mais chacun son tour, c'est tout. Oui, voilà, chacun son tour. Donc, je vais finir parce que, en fait, vous nous faites quand même passer pour des imbéciles publiquement. Je suis désolée quand Monsieur Bacle compare des TPER, on appelle ça TPER. Mais vous inquiétez pas, Madame Huard, vous allez voir dans les prochains mois une vraie augmentation d'impôts en France entre 2020 grâce à un parti politique. Alors moi, je vais vous sanctionner aussi. Je peux faire un bip. Qui a un bip, s'il vous plaît? Chacun son tour. Entre 2021 et 2024, si vous dites que c'est 14% sur un ETP, c'est une augmentation de 14%. Et vous voulez faire croire, effectivement, en remélangeant tout, qu'on ne paye pas un cadre de la même façon qu'un agent de 14%. Bon, si je puis me permettre, vous là... Vous qui remélangez, et effectivement, vous pouvez augmenter de 14% en ayant embauché du personnel et non. Tous les cadres, et vous aurez une somme, une masse salariale financière. Bon. Moins important. Je vous laisserai découvrir le rapport d'activité des services, comme ça vous arrêterez de brandir des chiffres qui sont faux. Non, mais
Mais ce qui est de cette délibération, en fait, monsieur, qui n'a rien à voir avec ça, par ailleurs. Mais hein. Si, on parle des... On parle des postes. Rien à voir. Mais on parle des postes. Mais vous avez lu la délibération. On parle des RH. Non, oui. On ne parle pas des RH. Mais c'est bien, parce que ça nous donne quand même l'occasion d'échanger avec vous. Mais justement, c'est voilà. Tout le problème. C'est mais que vous souhaitez échanger de sujets qui ne sont pas dans les délibes. Il n'y a qu'à Verneuil où on voit ça. Une opposition qui parle de tout et n'importe quoi sur chaque délibération. Qu'à Verneuil. Tous les élus du coin me le disent. Ils disent tous, il n'y a qu'à Verneuil où on a des gens qui parlent de tous les sujets à chaque fois. Mais oui. On reparlera au budget si vous pensez qu'il y a des augmentations. Un intérêt, finalement, si tous les élus du coin nous regardent, je suis ravie parce que ça veut dire qu'ils s'intéressent à nos échanges et certainement non, ils sont avec juste les échanges que vous avez avec non, l'opposition. Non, ils sont juste parce que là, atterrés. Je les imagine devant leur poste. Je Désolé. Suis ravie de savoir qu'ils nous regardent. Non, en écoutant ça. Non, mais là, on est sur un sujet qui n'a quand même rien à voir puisqu'on est sur le tableau des emplois permanents, qui n'est donc pas lié sur une situation RH depuis 4 ans, mais qui est juste sur les modifications qu'on vient de voter sur les délibérations précédentes. Mais ce n'est pas des méchancetés, c'est un constat. Bon, allez, on va avancer. Allez, Julien. Le bus, ça ira bien. Oui, ce soir, vous êtes décidé, comme depuis quelque temps, mais je reviendrai tout à l'heure, à faire passer l'opposition pour des abrutis. Bon, c'est votre choix. C'est votre vision de la démocratie. Vous fixez les taux de taxes foncières ? Bien sûr. Ah, vous me rassurez. Vous fixez les tarifs. Ils ont bougé ou pas ? Vous fixez les tarifs. Non, mais je rebondis sur ce que vous avez dit. Ils ont bougé ou pas ? Je vais poser une question. Vous fixez les tarifs municipaux ? Oui. Ok. Dont acte. Bah oui, dont acte. Ils n'ont pas bougé. Donc, pour ce qui est de... Vous avez des leviers d'action, je crois. Oui. C'est ça que je veux vous dire. Est-ce que je souligne l'incohérence parce que... Laissez-moi terminer. Calmons-nous. Je souligne simplement l'incohérence de ce que vous avez dit il y a 5 minutes. C'est tout. Ni plus ni moins. Puisque ce soir, vous avez envie de nous expliquer comment fonctionne une collectivité, de démontrer que nous n'y comprenons rien, et voilà, bah écoutez, moi, quand vous faites une erreur, je vous rattrape aussi, c'est normal, c'est le jeu. Moi, vous m'avez dit, je ne fixe pas de taux. Ben si, vous fixez un taux. Oui, mais on ne fixe pas un taux à la hausse. Mais pas à la baisse non plus. Ben non, il est à l'équilibre. Il est à l'équilibre. Si vous voulez, on peut comparer par rapport au mandat depuis l'année 2000. Dire, ça. Un taux, c'est un taux. On est d'accord. Après, face à votre taux, mais le taux vous qu'on financez a, vos dépenses. Après, son évolution serait tête à toto. Allez, hop. Après, vous financez vos dépenses et vous faites des choix. Ça, ce sont vos choix. Après. Allez, pour ce qui est de la mise à jour des tableaux des emplois permanents qui devient un débat passionnant, qui est-ce qui s'oppose ? Opposez-vous parce que sinon, c'est pas cohérent. Merci. Christian. S'abstient ? Merci beaucoup. J'en déduis que c'est adopté et je vous propose en miroir de passer aux modifications du tableau des effectifs. C'est exactement le même sujet et par conséquent, si vous voulez un commentaire, je vous en prie. Bon, je suis vraiment absolument désolé du spectacle que vous rendez ici parce que vous êtes un peu invectivant à notre égard, un peu agressif. Je suis désolé de le dire. Parce que vous ne l'êtes pas. Non, expliquez-moi ce que je vous ai dit parce que je parle du fond. Et qu'on parle de chiffres, et finalement, on en revient à dire si on est une bonne opposition, une mauvaise opposition, est-ce que vous êtes un bon maire ou pas un bon maire, on parle des chiffres. Et c'est ça qui est important. Donc, après, les chiffres, moi, je peux vous les montrer, les miens. Georges-Édouard a fait le calcul, je fais le calcul aussi. C'est dommage qu'on se perde à ce que vous en soyez à dire tous les élus du canton nous regardent et vous trouvent bêtes. Ça peut être sens inverse. C'est exactement ce que vous avez dit, ou en tout cas sous-entendu. Ce n'est pas très grave. Moi, j'ai une question de fond à vous poser, mais si vous voulez qu'on perde du temps dans des débats stériles... Allez-y, parce que posez votre question. Non, mais laissez-moi finir, parce que vous ne pouvez pas toujours... si vous voulez parler à ma place, faites-le. Mais ce n'est pas parce qu'on a déjà qu'il faut faire du théâtre. Si vous avez une question, vous la posez, et ensuite, on avance. On n'a pas envie forcément de vous écouter toute la soirée sur des analyses. Oui, posez votre question. Mais on avance. Mais... Vous êtes agressif, monsieur. Non, monsieur Dainville, on est en conseil municipal pour une simple et bonne raison, c'est des délibérations. Systématiquement, vous déviez du sujet. Non. C'est l'objectif. S'il vous plaît, je n'ai jamais vu à la communauté urbaine des élus partir dans tous les sens sur le hors-sujet. Donc, restez dans le sujet, posez vos questions. L'objectif, c'est poser les questions. Si vous avez des questions qui ne sont pas liées, posez des questions écrites ou orales. J'en reçois aucune. Mais aucune. Qui a parlé de qui regardait le conseil municipal, monsieur le maire ? Mais peu importe. C'est pas moi. Mais c'est vous qui... C'est le public qui est censé le regarder. C'est vous qui digressez, monsieur le maire. Eh bien, je vous en prie, posez la question sur la libération. Eh bien, je vais poser ma question. Mais si vous ouvrez des débats, acceptez qu'on... Vous avez du mal à la poser, hein. Mais vous avez du mal à l'écouter parce que, en fait, j'ai essayé de la poser tout à l'heure
et vous avez dévié du sujet en permanence. Donc je vais vous la poser. J'en suis toujours là. Au tableau des effectifs. Votre mais question. Vous coupez la parole toutes les deux secondes. C'est absolument risible. Et j'ai envie de dire, ça prouve que vous avez quand même un sujet sur le point sur lequel vous êtes un petit peu gêné. Voilà. Gêné. Ouais. Voilà. Mais on n'a toujours pas votre question. Hein. C'est clair en permanence. Oui. Ben je vais vous la voulez ou pas ma question? Bah, non, je vous laisse 3 secondes et puis après je passe. Ouais, vous allez me censurer, un, monsieur le maire. Deux. Donc en fait, je vais la poser. Allez, je vais la poser. Donc en fait, je vois qu'il y a, dans les emplois permanents et dans les effectifs, il y a beaucoup d'ETP vacants. Voilà, beaucoup. Parce qu'il y en a à peu près combien? Vous l'avez le chiffre? Vous n'avez pas le chiffre? Vous pouvez finir votre question, on l'a toujours pas. Vous n'avez pas le chiffre, il y a combien de TP vacants? D'accord, mais... Non, j'attends que vous me le disiez, parce que c'est vous l'adjoint quand même aux finances et aux RH, et je suis quand même hyper surpris. Eh, vous n'êtes pas un professeur, donc ouais. Si vous ne posez pas mais votre question... Mais vous n'êtes pas un professeur. Pour ce qui est de la du modification des tableaux des effectifs, qui est-ce qui s'oppose? Qui est-ce qui s'oppose? Qui est-ce qui s'oppose? Merci. Qui est-ce qui s'abstient? J'en déduis que c'est adopté. Je propose de passer à l'actualisation et la modification du règlement des fonctionnements des multi-accueils. Je laisse la parole à Carole Godard. Oui, ça fonctionne. Bonsoir. Effectivement, ce soir, je vous propose d'actualiser et de nous permettre d'actualiser la modification du règlement au fonctionnement des multi-accueils de Verneuil, qui sont de 3 établissements, Pompous, Françoise Dolto et Les Canetons. Ce règlement a déjà été modifié en 2021, mais il était nécessaire de le refaire actuellement pour mettre à jour notamment des informations sur le fonctionnement de la direction, sur les nouveaux événements liés à la parentalité et toutes les informations nécessaires des multi-accueils. On avait un deuxième point aussi, c'était mettre une conformité sur le règlement suite aux préconisations de la CNAF. On a également ajouté un paragraphe sur la mise en place d'un label AVIP. Ceci, c'est pour vous expliquer un petit peu, c'est un système de label qui nous permet d'avoir une vocation d'insertion professionnelle. Donc, en fait, dans chaque multi-accueil, on pourra, si vous nous permettez de faire ce choix, on aura une démarche active sur tous les parents qui sont en recherche d'emploi, en formation, etc. Donc on sera habilité par la CNAF, on recevra en principe une aide financière de la CAF pour chaque place réservée. Donc dans chaque multi-accueil, une à deux places seront réservées pour des parents dans la nécessité. Donc tout ceci pour vous expliquer que c'est un peu un vrai projet social pour soutenir les parents qui sont en recherche d'emploi ou en formation. Et bien entendu, c'est en relation avec France Emploi. Non, c'est France Emploi, la nouvelle France, l'ancien Pôle Emploi. France Travail, je savais que c'était pas France. Voilà, France Travail. Donc en fait, c'est vraiment une continuité et un encadrement pour les familles. On a également dans le règlement ajouté un système de cotation par points pour l'attribution des places en crèche. Parce que, comme vous le savez, c'est assez complexe. Mais dans cette nouvelle cotation, on va prendre en compte des spécificités un peu plus formelles, notamment les familles monoparentales, le handicap et, par exemple, la gémellité. Donc, il y a plein d'autres critères aussi qui sont dans le règlement que vous avez eu en commission. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, je vous en prie. S'il n'y a pas de questions, je vais le mettre aux voix. C'est une délibération sociale. Qui est-ce qui s'oppose? S'abstient. Je vous remercie pour cette unanimité. On a ensuite 2 délibérations qui sont très techniques, sur lesquelles je pense qu'on va avancer rapidement. La première, c'est l'adhésion de la commune de Crépierre au syndicat intercommunal Andy-Val-de-Seine. À chaque fois qu'une commune souhaite rejoindre le syndicat, il faut l'approbation symbolique de toutes les communes. S'il n'y a pas de questions ou remarques, je propose de le mettre aux voix. Qui s'oppose? S'abstient. J'en déduis que c'est adopté. 36e commune, tout à fait, ce qui est une bonne nouvelle sur l'essor. Nous avons ensuite, de la même manière, l'approbation de la convention constitutive de groupement de commandes pour la capture des animaux par le CIVOM. L'objectif, c'est d'avoir un acteur qui puisse coordonner les groupements de commandes de capture des animaux. Lorsque, comme ça, il y aura sur les territoires publics, sur les domaines publics, des, euh, des,
des renards morts ou d'autres animaux morts ou des animaux malheureusement errants, on aura un interlocuteur pour pouvoir les capturer et s'assurer de leur bon traitement. C'est juste pour une demande d'un certain nombre de communes. Et si cela vous convient, je vous propose de le mettre aux voix. Qui s'oppose ? S'abstient ? J'en déduis que c'est adopté. Nous avons ensuite une délibération que je vais passer assez rapidement, sauf si vous souhaitez en débattre. Vous savez que nous avons une démission du conseil municipal. Dans ce cadre-là, nous devons remplacer la personne sur deux sièges où elle était membre, au Civucop et Andival-de-Seine. Ce sont des postes de suppléants et de titulaires pour Andival-de-Seine, mais qui sont spécifiques, puisque pour Andival-de-Seine, on nous a demandé de mettre la vice-présidente au social et au CSAS. Donc formellement, je vais présenter Louisette. Et pour le Civucop, c'est un délégué suppléant, c'est extrêmement symbolique, mais dans cette logique de symbolisme, pour notre part, nous proposerons Nadia. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques. Oui, je t'en prie, Julien. Toujours pareil, hein. Monsieur le maire. Je vais digresser, c'est pas bien. C'est pour vous répondre que vous regarderez à quelle partie appartient le nouveau ministre du budget et le nouveau ministre de l'économie. Et puis, c'est pas parce qu'on est dans une coalition gouvernementale qu'on est forcément d'accord d'un coup avec tout le monde. J'ai rebondi un peu tard, désolé, mais... Vous voulez une coalition ensemble ? Parfois, il me faut un peu de temps. En direct ? Non, mais ne traduisez pas, comme vous avez envie d'entendre, mes propos. Vous avez très bien compris. Oh, vous inquiétez pas, c'était pas forcément un souhait de ma part, mais c'était pour autant de la main. Mais pas le mien non plus, donc. J'ai une question. Pourquoi Mme Pizica a démissionné ? Puisqu'en fait, vous mettez qu'elle a démissionné. Vous avez dit qu'elle a démissionné. D'office, tout à fait. Vous pouvez peut-être expliquer aux Vernoliens ce qu'est la procédure de démission d'office. Et deuxièmement, je vous en prie, vous avez la parole. Et deuxièmement, non, je vais vous laisser l'expliquer, puisque vous connaissez le fonctionnement des collectivités sur le bout des doigts par rapport à nous. Après, effectivement, vous appliquez ce principe aux élus de l'opposition. Mon collègue Blaise vous a demandé à plusieurs reprises des tableaux des élus qui ont tenu les bureaux de vote. Et il me semble que même dans la majorité, tout le monde n'a pas tenu son bureau de vote. Alors, il y a eu trois tours. Monsieur Fréjabu, donc ma question est... Je n'ai pas terminé. On a compris votre question. Je ne voulais pas poser. C'est une question surprise en plus. En fait, allez-vous appliquer le même principe que vous allez exposer aux Vernoliens aux élus de la majorité ? Eh bien, je vais vous répondre très simplement. Madame Pizica a été démissionnée d'office par la justice parce qu'elle était certes absente aux trois tours de l'élection, mais elle était également absente, si je puis me permettre, et puisque vous me tendez la perche, depuis quelques années à tous les conseils municipaux, à toutes les commissions, et c'est ce qui a appuyé la décision formelle. Donc, je suis désolé, mais c'est un cas un petit peu particulier. Et dans ce cadre-là, je me permets par ailleurs de me féliciter que ça ne concerne personne d'autre autour de cette table, et tant mieux. Je me permets simplement de dire qu'il n'y a rien de personnel, mais pour le bon fonctionnement des commissions, où parfois on a des quorums qui sont limites, la chose n'est pas plus mal, si je puis me permettre, puisqu'elle ne siégeait pas. S'il n'y a pas de questions ou remarques, je propose, puisque vous évoquez le sujet, c'est la justice, mais qui a saisi la justice ? Mais parce que ça vous pose un problème ? Non, je vous pose une question. Qui a saisi moi. La justice ? C'est vous. Ouais. Non, alors je vais vous dire ce qui me pose un problème. Moi, ce qui me pose un problème, c'est d'avoir un maire, comme vous l'avez déjà dit, je ne sais plus dans quel article de presse, il y a quelque temps, qui est légaliste. D'accord ? Légaliste, vous l'avez dit, je ne sais pas quand. En gros, en respectant une délibération de la communauté urbaine. Ce qui me pose problème, en fait, c'est lorsqu'on joue les pères de la vertu légalistes. Moi, j'ai toujours considéré que si on donne des leçons, il faut être irréprochable soi-même. C'est toujours ce que j'ai considéré. Donc là, en toute honnêteté, vous me tordez une perche. Allez-y. Malheureusement, moi, j'invite l'ensemble des membres du conseil municipal à consulter le document que je vais lui envoyer. Très bien. Ouais. Bah merci, mais je vous rappelle et que... Et qui vous concerne. Bon, bah très bien. Maintenant... Et là, on verra le légalisme. Très bien. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Si je puis me permettre, pour tout ce type de deus ex machina, vous êtes censé les passer en question orale ou écrite. Encore une fois, vous ne respectez pas non plus. Mais pour revenir à la délibération, qui est-ce qui s'oppose ? S'abstient ? S'oppose, hein ? Qui est-ce qui s'oppose ? S'oppose parce que tout le monde ne lève pas bien les mains. S'abstient. Qui s'abstient ?
Olivier. J'en déduis que c'est adopté. Non, juste on ne comprend pas forcément. Merci. Nous allons avancer sur la délibération numéro 15, modification du règlement intérieur du conseil municipal. Nous allons vous proposer la modification du règlement pour ce qui est de trois aspects. Le fonctionnement du conseil et des commissions municipales pour éviter d'avoir à revoter à chaque fois qu'il y a du mouvement dans les conseils municipaux, d'avoir à revoter les vice-présidents de manière systématique. On les revotera lorsqu'il y aura des demandes. La modification du délai de convocation pour le vote du budget primitif puisqu'on n'avait pas intégré de délai. Et par ailleurs, nous avons, à la demande de plusieurs élus d'opposition, changé la taille des tribunes, non pas qu'on le voulait, mais parce que dans le règlement intérieur, on nous a fait remarquer qu'il y avait un nombre de pages et une police qui ne tenait pas sur le nombre de pages qui était indiqué. Donc c'est relativement mineur, mais bon, puisque ça nous a été remonté, on s'est permis de le faire évoluer. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques. Ça change rien, mais c'est symbolique et ça permettra de tout tenir sur deux pages. Oui ? Vous me permettrez d'être méthodique ? Parce qu'il y a beaucoup de questions. J'ai analysé quand même cette modification. Article 4, accès aux données. Donc, moi, j'ai une question. Est-ce que vous avez vérifié, puisque vous expliquez que maintenant, il faut que nous passions par le directeur général des services ou le directeur de cabinet pour avoir les éléments que nous demandons ? Avez-vous vérifié la légalité de cette disposition ? Je vais seulement vous lire un retour d'avocat qui m'a paru assez intéressant. Et je vais essayer d'aller vite, sinon je vais me faire couper le sifflet. Depuis l'intervention du Code des relations entre le public et l'administration, le droit d'accès aux documents administratifs est régi, comme vous devez le savoir, par les articles L300-1 et suivants de ce Code. La modification du règlement intérieur, si elle conditionne l'obtention des documents demandés à une autorisation préalable du directeur de cabinet ou à son aval, peut constituer une restriction du droit d'accès et d'information des élus locaux, notamment de l'opposition. Effectivement, vous allez créer quelque part un déséquilibre entre le droit d'accès que les citoyens ont et les élus. Une restriction à la liberté d'expression et des élus, ce que je viens de vous dire, donc, par rapport à l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, toute personne a le droit à la liberté d'expression et ce droit comprend la liberté de recevoir ou de communiquer des informations. Le Code général des collectivités territoriales, donc dans son article L21-21-13, dit que tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. Le maire a effectivement pour compétence d'organiser les modalités de communication de cette information, mais la jurisprudence du Conseil d'État a précisé que cette réglementation ne doit pas conduire à limiter ce droit de telle sorte qu'il soit moins favorable que le droit d'accès aux documents administratifs existants au bénéfice des simples administrés, donc des administrés. Vos dispositions ne doivent donc pas placer les conseillers municipaux dans une situation telle qu'ils ne peuvent pas faire usage utile de leur droit d'information et donc exercer leur activité, notamment en qualité de membre de l'opposition. Conseil d'État, 9 novembre 1973, commune de Pointe-à-Pitre, pour être précis. Donc ma première question, en mettant cette modalité de passer obligatoirement par le directeur de cabinet ou le directeur général des services, ne limitez-vous pas l'accès à l'opposition de l'ensemble des documents liés aux affaires communales ? Non. Une autre question ? Merci, très bien. Je ma réponse, la moi ça me va. Pour les Vernoliens, s'il vous plaît. Article 7. Non, j'ai pas fini. Attendez, chacun son tour. Quand un Vernolien demande un document à la mairie, à qui doit-il adresser sa demande ? Au directeur de cabinet ? Alors, excusez-moi, mais on a mis en place un guichet unique. Donc, quand vous avez des demandes en tant qu'habitant de la commune, vous avez un guichet unique qui vous permet, en plus d'avoir toute la traçabilité, c'est le bon point d'accès pour poser vos questions. D'accord. Donc, nous aussi, finalement. Non, vous avez l'accès au directeur de cabinet et au directeur général des services. On n'a pas le droit différent à ceux des citoyens. Ah bah si. Ah non, du tout. Bah si, puisque les habitants... La loi le dit. En fait, on a le même accès que les citoyens et on n'a pas de procédure différente. Bon, je vous laisse terminer, mais je répondrai de manière transverse pour expliquer les modifications. Oui, donc je reprends. Bah, effectivement, si vous nous dites que c'est conforme, c'est que c'est conforme, on suppose. Ma question, elle porte exactement sur ça. Non, mais tu as bien résumé ce que... Le citoyen, lui, finalement, va plus facilement avoir accès à des éléments que l'élu, même s'il est d'opposition, malheureusement. Bah non, toujours pas. Bah si. Article 7,
Vous parlez de la nomination des vice-présidents de commission, donc vous la mettez automatiquement dans le règlement intérieur. Ok. Question. C'est pas automatiquement. Mais... Bah, L21-21-22. En pratique, si le conseil municipal nomme au sein d'une commission l'élu dont les délégations sont en rapport avec le domaine, tout à fait, dont la commission est en charge, la commission peut nommer cet élu vice-président. Pour autant, elle n'est nullement tenue de le faire. Et c'est la commission qui nomme le vice-président pour moi. Absolument. On est d'accord. Donc vous ne devez pas intégrer directement dans le règlement intérieur. Ce que ça veut dire, c'est pas ça. C'est ce que vous avez écrit. Non, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas besoin de revoter le vice-président à chaque fois qu'il y a du mouvement dans la commission. Et comme il y en a à chaque fois, c'est pas clairement. On s'est inspiré de règlements intérieurs d'autres communes qui ont été validés. On a fait revalider par les avocats. Après, si vous avez des avocats qui disent le contraire, vous laisserez augmenter encore nos frais d'avocats communaux. Si vous les attaquez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Vous inquiétez pas, on va revenir sur ce sujet. Sans souci. Article 8.2, vous avez certainement des contentieux avec quelqu'un autour de cette table. La phrase que vous mettez, moi, me perturbe un peu, c'est qu'en gros, bon, on peut plus débattre de rien, quoi, finalement, les commissions, déjà quand elles se réunissent, on ne parle pas de politique, donc on ne peut pas finalement parler... entre élus au sein de cette commission. Alors, on sait que les commissions sont faites pour parler des délibérations, mais il y a toujours un intérêt dans une commission à débattre des orientations que l'on pourrait choisir. Là, vous fermez directement la porte dans ce règlement intérieur à toute discussion. Non, pas vraiment, mais je vous laisse continuer. Je me relis. Hein. Vous savez, j'ai préparé quand même. L'article 24, on avait effectivement formulé la sagesse de chacun paraissant suffisante pour le temps de parole. Bon, on note que du coup, maintenant, on sera astreint à 5 minutes maximum. Ce qui nous évitera les situations comme tout à l'heure. Ouais, mais l'objectif n'est pas de vous couper, sais pas, c'est juste pouvoir le faire. C'est votre façon peut-être de gérer l'Assemblée qui ne va pas. Bah, si vous voulez, je peux arrêter tout de suite les débats. Et l'article 33 ? Non, monsieur le maire est démocrate. Merci, il ne va pas nous couper le débat. Monsieur Frajabut, toujours. Décidément, on ne m'appelle pas mon prénom. Vous voulez que je vous rejoigne, mais bon, bah non, ça ne marchera pas. Hein. Ce n'est qu'une coalition gouvernementale et ça ne va peut-être pas durer. Article 33. L'article 33 aussi, quand même, effectivement, est assez intéressant parce que vous réduisez finalement la place de l'expression de l'opposition municipale. C'est pas ma faute si la multiplication du monogroupe fait que ça tenait plus sur les pages. Ah, mais ça, c'était peut-être à vous de faire en sorte qu'il y en ait moins. En tout cas, aujourd'hui, 2800, on était à 10. Maintenant, on va être à 2000, à 5, je ne sais pas. Donc, écoutez, c'est vrai que ce qui est, de toute façon, vous me direz, l'intérêt de faire des tribunes, elle est assez limitée, puisque vous les lisez avant et que vous répondez dans votre tribune de la majorité. Eh bien, donc, je vous suggère, pour gagner de la place, de supprimer la tribune de la majorité, puisque vous avez 40 pages pour vous exprimer. Qu'est-ce que vous en pensez ? Si vous voulez supprimer toutes les tribunes, ça peut se discuter. Ah ben non, c'est la démocratie. Vous avez 40 pages pour vous exprimer. Laissez-nous peut-être une page par groupe minoritaire. C'est une suggestion. Bien sûr. D'autres questions ? À réfléchir. J'en ai fini. J'ai peut-être une réflexion à livrer comme ça, parce que on voit bien que, en fait, dans ce règlement intérieur, il y a une diminution des droits de l'opposition. Parce que chaque tribune est diminuée de 30% et que les nouveaux groupes qui sont venus sont des gens qui sont dissidents de votre groupe à vous. Donc, je veux dire, s'il y a autant de groupes, ça dépend aussi de votre capacité à faire de la cohésion dans votre propre groupe. Alors, je comprends que ça va vous choquer que je vous dise ça, mais bon, factuellement, il y a plus de gens qui sont partis de chez vous que de chez nous. Voilà. Bon. Donc, en termes de groupe, évidemment. Donc, l'autre point, c'est que vous faites référence... Et je ne sais pas où vous êtes, donc... Moi, je ne sais pas où je suis en face de vous, là. Ce n'est pas vraiment la question que j'attendais, mais depuis tout à l'heure... Bah, du coup, précisez. Bon, en tout cas, je vais avancer, parce que sinon, je sens que vous allez couper toutes les deux secondes, parce que c'est votre technique, et que, en fait, on perd du temps là-dessus. Donc, en fait, ce que je voulais dire, c'est que vous parlez de coalition gouvernementale, et moi, j'ai entendu le président de la République dire que... à l'issue de cette dissolution dont personne ne comprend les ressorts, les Français avaient donné le mandat de travailler ensemble, voilà, de faire de la coalition et du consensus. C'est votre voisin qui a refusé. Hein. Oui. Et non, mais attendez, on est au point. Je peux parler parce que franchement, à la fin, c'est quand même assez compliqué. Donc, vous faites un choix différent.
vous dites, et ça c'est dans votre tribune, vous dites, ah, je vous cite, eh ben, vous dites, je vais pas retrouver, vous dites que vous avez décidé, voilà. Je pense que tout le monde peut aller la lire. Non, mais c'est important, considérant que par ces comportements inacceptables, vous parlez de l'opposition, donc... On y reviendra, c'est un peu le sujet que vous avez oblitéré depuis tout à l'heure. Entre guillemets, il faudra que vous prouviez ce que vous disiez. Mais justement, je vais y venir. Dans certains cas. Je vais y venir, mais, vous voyez, contrairement à vous... Je réponds sur le règlement intérieur, parce que le règlement intérieur, c'est quand même le sujet de comment... Oui, mais les comportements inacceptables, voilà. On y viendra, je les ai gardés pour la fin. Alors d'accord, j'espère que vous prouverez ce que vous dites, parce que dans ce que vous dites... Oui, mais j'y viens. Donc, moi, je vous fais référence au fait que le président, votre président... Il a dit que c'est pas mon président, oui, c'est le président. C'est quand même celui pour qui vous avez voté. Bah, je ne sais pas si vous avez voté pour quelqu'un d'autre au deuxième tour, mais oui, je pense qu'on sera intéressé. Mais moi, je ah oui. Notre président, oui. Ouais, votre président, c'est-à-dire celui que vous, pour lequel vous avez d'accord, voté. D'accord. Bah, vous n'avez pas voté, c'est intéressant. Moi, j'ai voté monsieur le maire. Monsieur le maire, mais en fait... OK. Bon, alors... Non, je pense qu'il vaut mieux s'arrêter là. Non. Stop. Allez, reprenez. Okay. Alors, je vous sauve. Non, mais je vais vous poser la question. Vous dites, considérant ces comportements inacceptables, ils ne vous représentent pas. Nous avons volontairement fait le choix de préférer la démocratie participative afin d'assurer l'essor de notre ville. Oui. Donc, vous dites que vous ne voulez pas travailler avec nous. Oui. Hein, contrairement au président qui dit que lui, il a reçu le résultat des électeurs et que les électeurs disaient qu'en fait, il fallait travailler tous ensemble. Donc là, on a un exemple quand même flagrant de l'incohérence dans laquelle vous êtes. Ah c'est-à-dire mais... que d'un côté, vous prenez le consensus, la démocratie participative, mais n'oubliez pas, monsieur le maire, que les électeurs, ils ont voté pour nous. Et vous n'avez fait que 36%. Monsieur Dainville. Donc vous représentez vous que 36% des électeurs. Vous avez raison. Et vous ne pouvez absolument pas choisir de dire « je ne travaille pas juste avec l'opposition ». Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je vous demande des documents et je ne les ai pas, comme d'habitude. Alors, j'ai demandé les documents qui sont des documents consultables. Je les ai demandés à votre directeur de cabinet, qui m'a dit qu'il travaillait que pour vous, payé avec l'argent des Vernoliens. Ce n'est pas exactement ce qu'il vous a dit, mais je vais y revenir. Je vais y revenir. Donc, la deuxième chose, c'est que... Parce que ça fait partie des comportements inacceptables, monsieur Dainville. D'accord. Mais on va y revenir. De quoi ? De celui de ne pas donner les documents ? Non, mais on va y revenir. Je finissais. Pour une fois, je ne vous coupe pas. Eh bien, écoutez, alors allez-y. Ah, vous avez fini. Alors, pour commencer, pour ce qui est du président de la République, lui, c'est lui, moi, c'est moi. Je ne suis pas président de la République, je suis maire de la ville. Et si ça peut vous rassurer, je ne soutiens pas nécessairement et toujours la politique nationale. D'ailleurs, vous le constaterez, je ne suis pour l'instant plus encarté. Et au-delà de ça, je ne suis surtout pas, comme vous l'avez longtemps cru, abondé d'ambition nationale. Moi, mon ambition, c'est Verneuil. Pour ce qui est du deuxième sujet, c'est quand même le plus important. Vous avez raison, j'ai été frappé ces derniers mois par des comportements que je juge inacceptables. Et les Vernoliens en jugeront finalement. C'est peut-être la meilleure solution. D'abord, puisque vous parlez de la situation sur les documents, mais les services de la commune ne sont pas les secrétaires ni de moi ni des élus. Je suis désolé. Surtout quand ce sont des documents qui ne sont pas municipaux. Et vous n'allez pas faire semblant de ne pas le savoir. Ce sont des documents qui sont préfectoraux pour les tenues des bureaux de vote. En plus, c'est public. Si vous voulez avoir les listes, vous avez juste envoyé un mail au sous-préfet. C'est lui qui les a. Ce n'est pas à nous d'aller faire le mail au sous-préfet ensuite de nous le renvoyer et nous de faire le secrétaire. Je trouve ça hallucinant. À chaque fois, on nous demande de faire la totalité des documents comme si on était vos secrétaires. Non. Deuxièmement, pour ce qui est du comportement inacceptable, vous savez... Quand on s'en prend aux élus ou quand on s'en prend à moi, je m'en fiche complètement. Complètement. C'est le jeu, d'une certaine manière. Par contre, il y a quelque chose sur lequel je refuse qu'on touche. J'ai toujours dit, je le répète ce soir, et d'une certaine manière, c'est un peu pour ça que j'ai demandé à ce qu'on modifie le règlement intérieur, c'est que je trouve inacceptable que, et là, je retiens ce qui a été dit par quelqu'un tout à l'heure, certains élus de l'opposition, certains, s'en prennent à des agents. Et ça, c'est pas possible. Et ça, c'est pas possible. Quand j'ai des demandes de droits de retraite de certains agents après certaines commissions, c'est pas possible. Et ça, c'est pas possible. J'ai pas à expliquer, vous le savez très bien. Quand on a des agents qui se retrouvent cornerisés par des élus de l'opposition qui font de la politique avec les agents, c'est pas possible. Mais j'ai pas des exemples à vous donner. Vous le savez très bien, les élus qui sont concernés le savent très bien, mais on y reviendra de toute manière en fin, comme vous vous en doutez.
Mais si vous êtes, si vous vous sentez pas concerné, vous l'êtes peut-être pas. Mais pour le coup, je trouve inacceptable, je le redis, d'avoir plusieurs élus de l'opposition qui se retrouvent dans une situation où je ne peux, entre guillemets, moi, ne pas, je peux pas faire de police, je peux pas exclure un élu de l'opposition ou un élu de la majorité comme ça. C'est encore heureux, vous avez raison. Par contre, quand ils s'en prennent à des agents, je peux non plus rien faire. À part appeler à faire quoi ? À serrer les dents ? Et ça, c'est inacceptable. Donc voilà, c'est pour ça. Moi, je ne peux pas travailler avec des personnes qui se permettent d'envoyer des plaintes à tout va, avec une dizaine d'agents et d'élus qui sont mentionnés, tout ça pour qu'il y ait un non-lieu immédiat et que ça nous prend des demi-journées sur des agents. C'est inacceptable. Je ne peux pas avoir des agents, je le répète, hein, qui viennent nous voir et qui disent on a des élus qui s'en prennent à nous, nominément. Ce n'est pas possible. Pas qu'en commission. Bah, donc au bout d'un moment... Il va falloir prouver ce que vous dites, monsieur. Mais je n'ai pas besoin, puisqu'on y arrive. Bah, si. Mais j'ai pas besoin, on y arrive. Maintenant, on n'y arrive pas. On y arrive. Maintenant, on n'y arrive pas. Bah si, on y arrive. Eh ben, on est. Allez-y, expliquez, puisque vous faites des accusations. Oui. Faites des accusations, monsieur le maire. Alors, vous savez, on n'est pas dans un tribunal, donc je ne fais pas des accusations. Mais en fait, je fais un constat. C'est toujours la même chose, c'est que vous dites certaines choses, mais vous ne prouvez pas. Mais j'y arrive. Mais là, c'est vous qui me coupez, mais c'est ça. Non, parce que vous venez de parler pendant assez longtemps. Donc, je vous demande d'étayer, s'il vous plaît. Bon, et ben, vous savez quoi ? C'est pas une demande qui est. Eh ben, regardez. Qui est extravagante. On va vous faire un petit tour de magie. Vous êtes prêts ? Allez-y. Pour la délibération demande de protection fonctionnelle, qui sera juste après, je vous répondrai. Mais pour ce qui est de la délibération qui est affichée, modification du règlement intérieur, qui s'oppose ? Attendez, moi, je voudrais... Qui s'oppose ? Après, si vous voulez. Bien sûr, 2000 caractères. Qui s'abstient ? J'en déduis que c'est adopté. Ah. Et puisque vous m'avez posé la question, j'y viens un petit instant, j'enchaîne... Attends, tu t'abstiens ? Bravo à la majorité. Oui. On peut rebondir sur ce que vous dites. Si vous le souhaitez. Vous avez fait campagne pour qui aux législatives ? Et alors ? Mais vous n'êtes plus à RM. Et alors ? Mais dites pour qui vous avez fait campagne. Ah mais j'assume complètement pour qui j'ai fait campagne. Bah dites-le. Mais moi j'ai fait campagne pour Nadia et j'ai candidate aucun problème. Oui, candidate alors ? Candidate ? Pour qui ? J'ai juste une question. Non, mais ne me posez pas de questions. Ah mais puisque vous aimez les questions. Mais non, mais parce que c'est votre voisin de gauche qui a fait campagne pour vous, il est dans quel parti ? C'est votre méthode. Ah ben non, mais vous voyez, les partis ne veulent plus dire grand-chose. C'est votre méthode de retourner les situations. Moi, je vous pose la question. Soyez transparent. Je vous ai posé une question, vous me répondez. On est en train de voter, là. Non, mais c'est voté. Ça n'a rien à voir, mais ça a à voir avec ce qui s'est dit juste avant. C'est des vérités quand bon, même. Allez, quand pour même ce qui est de la dernière délibération. Ça vous gêne, Renaissance. Oui, bah pas que, hein, je vous rappelle. Majorité présidentielle, mais bref. Pour ce qui est de la demande de protection fonctionnelle que je présente, je voulais simplement vous informer, puisque ce n'est pas à voter, mais juste une information, qu'en effet, j'ai demandé à bénéficier de la protection fonctionnelle dans le cadre d'une procédure pénale que j'ai engagée contre M. Lugic. En effet, j'ai dû saisir le tribunal correctionnel par la voie de citation directe en diffamation publique. Et oui, ça fait partie des comportements que je juge inacceptables. On verra ce que dira la justice. La demande de protection fonctionnelle a été transmise et je me dois simplement de vous en informer. Vous avez eu la délibération. Je répondrai évidemment aux questions. Mais si vous me le permettez, il me semble important de souligner que ça fait partie des comportements que je juge inacceptables. S'il n'y a pas de questions ou remarques, je vous propose... Ah bah allez-y. Je voudrais seulement dire, hein, sans préjuger du fond, parce que bon, je vois le nom de M. Lui qui est cité, donc voilà, je ne connais pas le fond du sujet. Après, ce que je trouve regrettable, c'est qu'on rentre dans une vie municipale... qui est judiciarisé, va-t-on dire, comme on ne l'a jamais connu à Verneuil. Hein. Oh, les procédures, non, mais laissez-moi. Vous avez terminer. La mémoire courte, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Les procédures, les plaintes se multiplient, allant jusqu'à attaquer d'ailleurs la vie privée ou professionnelle des élus autour de cette table. Ce qui est bien regrettable d'ailleurs, puisque, à mon sens, ça mobilise et les services de police et les services judiciaires qui, à mon avis, ont bien d'autres choses à faire que de traiter des sujets qui sont en plus basés sur des accusations fallacieuses. Et à ce titre-là, puisque vous évoquez le sujet, moi, je souhaiterais consulter, et je ferai la demande demain, l'ensemble des dépenses et des dossiers qui sont confiés à Maître Zouaou. Ben, je vous laisserai faire la demande. Je ferai la demande pour, mais faites la s'il demande. Vous plaît, consulter l'ensemble des dépenses juridiques. Mais vous auriez pu même le faire avant le conseil municipal. Non, mais je voulais vous le dire là. Puis je le demanderai demain. Sans problème. Pour,
pour repréciser, parce que vous disiez à monsieur François Nainville qu'il demandait des documents très compliqués et que c'est pas ce que j'ai dit. S'il se débrouillait mieux, il ferait bien de les demander à la préfecture et qu'il les obtiendrait. Le document que demande monsieur François Nainville, si j'ai bien compris, c'est la liste de composition du bureau, c'est ça? Je sais pas, il nous a dit en mairie que c'est vous qui la souhaitiez en plus. Je vous demande, et c'est bien ça qu'il a demandé. Je sais pas, c'est le document que vous souhaitiez. Comment? Elle nous a dit que c'était vous qui le souhaitiez aussi, donc vous devez non, savoir. Non, je n'ai pas du tout dit. Vous verrez ensemble. Je vais préciser non, parce que... Je vais préciser, attends, je vais préciser. Attends, juste sur ce point-là. Mais c'est du mensonge, monsieur le maire. Très bien. Ça s'appelle du mensonge. Oui. J'ai jamais dit. J'ai demandé les documents pour moi et j'ai jamais dit que c'était madame Huard. C'est ce qu'on m'a dit à l'accueil. Par contre, votre directeur de cabinet qui a un rôle politique s'est permis de porter des jugements sur madame Huard. Oh là là. On parle pas des bon, actions. Alors... Excusez-moi, mais en fait, on parle d'un tableau qui est imprimé au bureau central. Oui. Donc, je ne vois pas en quoi c'est compliqué de transmettre ce document. Ce n'est pas compliqué, c'est juste pas à nous de le transmettre. C'est pas à vous de le transmettre. Non. En fait, je l'ai photographié, je ne les ai pas tous photographiés. Je ne comprends pas pourquoi vous faites autant d'obstructions sur des choses simples. C'est un tableau qui n'est pas une question d'obstruction. Un peu de la rétention d'informations quand même. C'est pas de la rétention. En plus, les bureaux, tout le monde sait très bien, ils étaient composés. Il y a des élus de l'opposition dans tous les bureaux. Oui, tout le monde peut publiquement y aller. C'est pas conformément à la composition de la loi, mais ça, on y reviendra. On y reviendra. Mais en fait, pourquoi c'est pas simple les relations, monsieur Offrechter? Vous faites des accusations publiques comme ça, qu'il faut écrire à la préfecture pour avoir ce tableau que j'ai photographié. Mais parce que c'est pas à nous de l'envoyer. Ah bon, c'est pas à vous. Non, mais c'est sûr que dans le cadre des bonnes relations qu'on doit entretenir, c'est sûr que vous. Ah, mais les bonnes relations, elles sont relativement ternies, si je peux me permettre. Je suis très curieuse de savoir ce qui est dit sur moi, mais on en parlera en off. En tout cas, je n'ai jamais mandaté M. François Nainville pour demander les tableaux. Donc, je ne sais pas ce qui se dit à l'accueil, puisque vous accusez l'accueil, vous, d'avoir. Je n'accueille pas l'accueil, j'ai dit à l'accueil, qui est un lieu physique. Non, l'accueil physique, ouais. L'accueil physique. Bon. L'accueil allez. J'ajoute un petit élément sur le document que j'ai demandé, qui était aussi le tableau du conseil municipal, donc l'ordre, ça veut dire les noms du conseil municipal, les noms des membres du conseil, dans l'ordre du tableau. Et vous dans l'ordre du tableau. C'est quand même là, les gens qui sont ici, dans l'ordre du tableau. Et donc, vous avez besoin qu'on vous l'envoie. Vous avez besoin qu'on vous l'envoie. Oui, c'est ça, tout à fait. Vous savez, exactement, c'est un document officiel. Vous l'avez sur Internet. Et je vous signale. Il est sur Internet. Oui, d'accord. En tout cas, on n'a pas pu dire que c'était sur Internet. Bah oui. Donc, vous avez peut-être mis après, en fait. Non. Voilà. Je peux même dire un truc supplémentaire. Vous allez sur n'importe quel conseil municipal. Vous m'avez pas répondu par mail pour me dire que c'est sur Internet. Si c'est si simple que ça, en fait. Qu'est-ce que ça vous coûte? Enfin, je veux dire, on est là. Non mais attendez. Vous savez, tous les conseils sont enregistrés. En début de conseil, je lis la liste. Ouais. La liste, c'est exactement ce que vous cherchez. C'est sur Internet. Les documents PDF sont sur Internet. À chaque fois que vous demandez un document, je ne vais pas vous dire aller voir sur Internet. À côté de la mairie, c'est un document officiel qui doit être affiché. Il a été un temps, il ne doit plus être à jour. Et est-ce qu'il ne l'est pas? Je ne sais rien. A priori, il n'est plus à jour. Hein. J'en sais rien, ça se trouve, il est à jour. Mais vous l'avez vérifié alors? Vous avez regardé? Et est-ce que vous avez été vérifié vous-même? J'en sais rien. Parce que je vous l'ai demandé. Voilà. Ok. Et voilà, donc ce que vous nous demandez, c'est d'aller faire directement à la préfecture plutôt que vous demander les documents. Alors je vous rappelle que quand même, quand on vous demande des documents et qui sont dans d'autres collectivités territoriales ou dans d'autres préfectures, vous êtes quand même tenu de reporter la demande et de la c'est la loi. Voilà, c'est comme ça. Donc ça vous dérange peut-être, mais c'est la loi. Merci beaucoup, je vous souhaite une agréable soirée. Et oui, une dernière question, hein, le mot de la fin, il faut toujours un mot de la fin. Moi, c'est la fin. J'ai pas une question, mais je voudrais faire une petite déclaration juste après, si vous voulez bien. Allez. Allons-y. Et Christian aura un sujet aussi, oui, juste après. Mais si je puis me permettre, c'est une question ou c'est une déclaration? C'est une déclaration. Dans ce cas-là, formellement, je vous propose de mettre fin au conseil municipal pour couper les enregistrements. Non, l'intérêt, c'est de Vernolier ensemble. Et ensuite, je vous laisse maintenant faire vos déclarations. Moi je souhaite quand même que ça reste public. Allez-y. Quand même. Donc je souhaiterais brièvement revenir sur votre tribune de la majorité donc, que Blaise a commencé à évoquer, publiée dans le dernier journal municipal. Rédigée par vous, monsieur le maire, tant dans les tournures que dans les termes utilisés, nous pouvons en déduire que, naturellement, vous l'avez rédigée. Sans revenir sur la situation financière dont vous avez hérité et qui, quoi que vous donniez comme argument, vous était favorable, on pourra constater que vos leitmotivs restent inchangés.
et vous me direz, c'est bien normal, de toute façon, ça fonctionne. En tout cas, ils sont rodés. Coup de la pointe de Verneuil, dont le rachat des terrains n'est que de votre fait, en faisant échouer le projet de la Marina, pour au final d'ailleurs envisager donc le projet d'éco-quartier qu'on évoquait en début de conseil, pardon, en lieu et place de la zone des trois étangs, dont on ne sait pas combien de logements viendront densifier un espace proche d'espaces naturels, d'ailleurs à préserver l'île de loisirs et l'aérodrome. Ça, c'est mon point de vue en tout cas. Ou encore le mauvais état du patrimoine communal, ou comment vous découvrez que le bâti vieillit et que chaque année, il faut investir.